Hop, et nous voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir à toutes et à allez-vous? tous. Bonne rentrée à tous et toutes, j'espère. Oui, J'espère que une l'été bonne s'est bien rentrée. passé. L'été qui n'est pas terminé, hein, puisqu'il fait encore hyper chaud. Hop, et oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour toi comme pour moi. J'ai aussi redécouvert les joies de la France, donc nouveauté de l'année, ma connexion devrait mieux tenir. Oui. Moins d'interruptions, on l'espère, Formidable. moins de problèmes techniques. Et nouveau format, nouvelle émission. Nouveau format, donc les lectures salées de Sornette. Donc bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode. Bienvenue, bonjour. Le principe des lectures salées de Sornette, c'est donc, je l'ai un petit peu expliqué sur Twitter déjà, je vais revenir brièvement dessus. L'idée, c'est qu'on va lire ensemble et réagir à différents ouvrages, textes, documents, ressources diverses et variées qui parlent d'esprit critique ou de choses avoisinantes et qui sont plus ou moins de mauvaise qualité. L'idée, c'est Plus ou de moins. décrire plus ou moins. Hein. Non, mais c'est important parce qu'il Il y a du plus et du moins. y a du plus. Oui, dans l'occurrence, c'est plutôt sur du plus, mais on va voir ça plus tard. L'idée, c'est de se servir de ça, pas pour les trasher, hein, donc à ce propos, on évite d'être trop désobligeant dans le chat, parce que tout commentaire déplacé sera modéré sans aucune pitié. L'idée, c'est pas de clouer quelqu'un au pilori, l'idée, c'est de discuter ses ressources, ses textes, de montrer ben, en quoi il pose problème, pourquoi il pose problème, et du coup, l'idée, en fait, qui était derrière ça, c'était bah, d'essayer de vous partager un peu l'expertise que j'ai acquise pendant ma thèse et pendant mes 7 longues années d'études sur la question, et donc de bah, discuter de potentielles références en live, etc., quoi. Voilà. Donc, on a décidé conjointement avec mon camarade Antelpiste ici présent de commencer par La science des balivernes de l'illustre Thomas Séduron. Attention, Voilà. un indice sur votre écran, même pas un indice, mais la chose sur votre écran. Donc, on va. L'idée, c'est globalement. Bon, ça dépend des chapitres, ils sont pas forcément. Toujours homogène. L'idée, c'est de faire globalement un chapitre, un demi-chapitre par émission, quoi. Aujourd'hui, on va donc commencer par la quatrième de couverture de La science des balivernes pour se mettre en jambes, puis on va enchaîner sur le premier chapitre. Voilà. Alors oui, effectivement. Donc j'ai. Alors nous avons aussi une version numérique avec laquelle vous pourrez suivre. Rassurez-vous, vous pourrez suivre à l'écran. Mais ce livre a été dûment et légalement procuré aussi. Donc, nous lirons probablement aussi le petit en-tête légal pour bien nous assurer que l'idée est de s'inscrire, comment disent-ils déjà? Dans tac 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 le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique de l'inf ou d'information qui justifie ou autorise la citation du texte dont nous précisons bien l'auteur et la source. De toute façon, Donc, il y si a on fait tout à beaucoup. la fois, critique, polémique, pédagogique, scientifique et d'information, Je crois que ça compte. normalement ça rentre. Voilà, donc on devrait pouvoir faire tout à la fois, je pense. Donc ça devrait aller. Voilà, effectivement. Mais je vois qu'en plus, nous sommes en très bonne compagnie, Clairement, je vois le chat. avec des têtes connues et des nouvelles têtes à qui nous souhaitons la bienvenue. J'espère par ailleurs que mon son a été un peu remonté. Tant que celle qui en parlait, tu me diras si c'est bien. Alors, je te propose qu'on se mette en jambes. Let's go. Avec la quatrième de couverture de La science des balivernes de Thomas Séduron par le co-auteur de la chaîne YouTube La tronche en biais. Et c'est chez Humaine Science, si vous vous demandez l'éditeur. On y reviendra peut-être, je pense.
Vacciné, Science, oui. pour préciser, Oui, Main Science, donc qui publie donc notamment Thomas Sidurant, c'est donc un éditeur scientifique, donc vous avez déjà enfin, il y a énormément de choses de vulgarisation scientifique de différentes qualités qui sont publiées chez Main Science. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que Main Science est aussi l'éditeur de Raoult, d'Abercab, mais aussi de Gérald Bronner, je crois. Il y a certains de ses bouquins qui sont chez Main Science, si je ne me trompe pas. Alors, au moins un. Je crois. Je sais qu'il est au PUF aussi, mais. Mais il me semble qu'il y a un de ses bouquins chez Main Science. C'est pour que je vérifie. Peut-être pas Gérald Bronner, oubliez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un éditeur qui est en fait peu regardant sur la qualité scientifique. C'est un éditeur qui vise à faire vivre la controverse scientifique de façon générale, de façon un peu disparate, quoi. Et coucou, concrètement, moi, bienvenue. Et coucou, le petit chat noir. Et coucou, bonne garde. Ah, ben, du coup, Bunker D me corrige, du coup, désolé, retiré, donc c'est pas un Brunner. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a bien Raoult et Abercan. Oui. Mais effectivement, donc il y a le pire et le meilleur. Mais c'est complètement aléatoire, c'est pas une. Disons que voilà, il y a. Parfois, on se pose des questions. Bref. Et on pourra revenir sur le travail d'édition du livre, je pense. En tout cas, sur la version papier. C'est pas ouf. Est-ce que je lis cette fameuse quatrième de couverture? Allez, que tu n'as pas eu l'occasion de lire, d'ailleurs. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire, donc je la découvre en même temps que notre auditoire. Allons-y. Vaccinez-vous contre la contagion des inepties. Oh, écoute. Point d'exclamation. Oh non. La muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune. Les vaccins causent l'autisme. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Il y a plus de naissances les nuits de pleine lune. Trois petits points. Il n'y a pas de relation directe entre le degré de conviction que nous inspire une croyance et sa véracité. Nous sommes une espèce extraordinairement sociale. Faire confiance à l'autre fut favorable à la survie de nos ancêtres. Le revers est que nous sommes des victimes toutes désignées pour les tricheurs, menteurs, escrocs ou baratineurs. Et les énoncés vrais, prudents, intelligents, instructifs sont perdants face aux balivernes sympathiques, excitantes, consolatrices. Le combat est inégal. C'est pourquoi nous avons besoin d'une science des balivernes, comme il existe une science des microbes pathogènes. Oula. Thomas Sidurant décortique la structure des fariboles pour nous en révéler les mécanismes. Il nous montre comment revigorer nos défenses critiques sans rejeter complètement nos intuitions. Avec de nombreux exemples puisés dans l'actualité la plus récente et des expériences à faire soi-même. Déculpabilisant et plein d'humour. Voilà. Ok, bon, rien que sur la quatrième de couverture, on pourrait y passer des plombs. Bon, ensuite, après, je pense pas que ce soit Monsieur Durand qui écrit cette quatrième de couverture. Deux points à noter quand même, parce que c'est des choses qui sont. Qu'on va certainement retrouver dans tout l'ouvrage et qui sont très très classiques avec les questions d'esprit critique et de fake news et tout. Le premier, c'est le truc un peu biomédical comme ça, de se vacciner contre les fausses informations, ce genre de trucs. Ça fonctionne pas. On va revenir un peu plus en détail là-dessus à un autre moment. Et le deuxième, c'est de postuler, genre, par défaut un peu, que les fausses informations, elles seraient genre plus fortes que les vraies, pour une raison un peu mystérieuse. Ça pareil, enfin, j'ai envie de dire source, pourquoi à part le fait de la pétition de principe de dire c'est faux, donc c'est plus genre c'est plus confort, genre ça nous fait plus plaisir d'entendre des trucs faux, ce qui est pas forcément vrai, genre. Donc c'est un peu étonnant. Le cadrage de la quatrième couverture pose déjà la question. Mais pour avoir pris un peu d'avance dans la lecture, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter durant les premiers chapitres. Voilà. Mais ça spoil. Là, ça ah non, je spoil pas. Je mince, c'est pas. Je tease. Voilà. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, tout va bien. Je tease. Et j'en profite pour dire aussi bonsoir à Florian et Joseph, aussi des visages connus. Ou des plutôt oui, des pseudos. Bonsoir. Connus. Et je confirme aussi la remarque de Bunker qui nous fait remarquer que cette histoire de naissance, les nuits de pleine lune, j'en ai aussi que très rarement entendu parler en dehors du milieu Z. Pourtant, c'est un exemple qui revient assez régulièrement. Peut-être que oui. C'est courant dans le milieu médical, chez les sages-femmes ou les infirmières, je sais pas. Ouais, je. Mais...
Bref, en fait, les exemples de la première phrase étaient relativement atypiques du milieu Z. Ça, on va pas se mentir. Alors, bonsoir Madeline aussi, que j'avais pas vu. Le petit point Evopsy, on aura tout un chapitre pour y revenir. Là, je tease aussi. Oui. Alors, je voulais commencer, pour toi, au moins lancer la discussion aussi, sur le sommaire et au moins le contenu, la manière dont est découpé le bouquin, juste avant d'attaquer. Puisqu'il est découpé en 13 chapitres, avec un découpage symétrique autour du 7e, qui est beaucoup plus long que les autres, qui font en moyenne entre ouais, quasiment tous 10 et 20 pages, sauf le 7e, qui en fait 70, et qui s'intitule Nos biais cognitifs. Donc on aura une première partie avec les quatre, enfin, des chapitres concernant les quatre principes de la balivernes, donc chapitre d'introduction, puis un petit traité de foutaisologie, un chapitre qui s'intitule Nous percevons le monde à travers des filtres, un chapitre, un dialogue, je crois qu'il y a un moment, il y a un dialogue entre Acermandax et Vled, qui s'appelle Notre monde si personnel. Le chapitre 5 parlera des causalités que nous voyons qui n'existent pas, puisqu'il s'appelle Nous voyons des causalités qui n'existent pas. Chapitre 6, qu'est-ce qu'une preuve? Vaste question. Chapitre 7, des biais cognitifs, ça j'en ai parlé. Ce sera en gros, ce sera le gros du bouquin, je pense que je peux le montrer. Histoire de vraiment donner une idée du bébé. Voilà, c'est. Si vous voyez, ça, ce que je tiens entre mes mains au milieu, là, ça, c'est le chapitre. C'est un chapitre. C'est le seul qui est gros comme ça. Et ensuite, les autres chapitres reprendront à peu près la même taille que les autres, et on aura le chapitre 8 qui sera la culture du débat d'idées. Je pense que ça risque d'être assez drôle aussi. Grand Dieu. Le chapitre 9 s'appelle La violence du vrai, avec vrai entre guillemets. Le chapitre 10 s'appelle Outils pour disséquer les balivernes et contiendra, enfin, en tout cas, attaquera des outils que nous avons déjà vus si nous traînons dans le milieu rationaliste, à savoir le rasoir d'Occam, la théière de Russell, la guillotine d'Hume, tout ça. Et se termine avec la triade zététique. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Ah, c'est vraiment des outils au sens le plus littéral du terme, quoi. C'est Ah genre le ouais. rasoir, la théière, la guillotine. Ah, il manque le je sais pas, le marteau bayésien ou un truc comme ça. C'est ça, la spatule. Alors, le chapitre 11 s'appelle Balivernes chez les scientifiques et parle de l'histoire des rayons N. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de rayons N, mais c'est un épisode assez anecdotique de l'histoire de la physique en fait. Mais il en fait tout un chapitre d'une quasiment 30 pages. Le chapitre 12 est intéressant puisqu'il s'appelle Comment être moins con. Ah, Et voilà une saine lecture. il y a, y a une sous-partie qui s'appelle Socrate n'était pas un con. Voilà tout. Les philosophes qui nous écoutent apprécieront. Ouais. Et le chapitre 13 de conclusion s'appelle Question de style, point d'interrogation. Donc Ouf. un vaste programme, en jugé par le sommaire. Et Très bien, parfait. ouais. Et donc un programme où je ne serai pas forcément toujours présent pour te donner la réplique. À un moment, je Oui, te laisserai les rênes et tu pourras à un inviter moment je qui tu vais m'autonomiser sur le plan technique, mais tu seras toujours un invité privilégié. Parce qu'on a, comme vous avez pu l'entendre, ça balayera plein de sujets et il y aura peut-être des gens qui auront des choses à dire plus intelligentes que les miennes, on espère. Voir plein de monde sur. Cette série. Ensuite, c'est pas Voilà, dit qu'il y ait voilà. beaucoup de gens qui soient prêts ou prêtes à se taper la science des balivernes comme tu consens à le faire, donc Je suis masochiste. Intellectuellement masochiste. Alors, et avant de passer sur la nouvelle. Enfin, le super layout, la superbe présentation que j'ai faite. Je regarde s'il n'y en a pas deux questions dans le chat avant. De se lancer, et je crois, si Florian demande de quand date ce livre, il date de 2021. 2021. 2021. Donc, Et
D'ailleurs, à une époque où la littérature contemporaine sur ces questions existait déjà. Donc. Et assez daté, puisqu'il y a une énorme partie, rien qu'à regarder la bibliographie, dont tu auras tout le temps de parler, une énorme partie qui est consacrée à un certain médecin marseillais. Ouais. Voilà. Et un autre prix Nobel. On ne dit pas plus, mais parfait. Ceux qui savent, savent. Alors, attention, magie de l'informatique. Tada ! Tout s'est déplacé. Tout s'est déplacé, mais vous êtes passé à gauche. Ouh. Et vous avez cette petite présentation ici du livre. J'espère que le texte sera bien assez gros. Hop. Et je te propose de se mettre en jambe. Allons-y. Alors, dans cette version, qui est un EPUB converti en PDF, je crois, donc qui a quelques soucis pour des raisons techniques, mais qui est bien officiel. Tu as le préciser quand même, histoire de... Il a vraiment reçu de l'argent pour celui-là. C'est Zach. Et j'en profite pour m'arrêter et signaler bien que, sous réserve du nom d'auteur et de la source, les analyses, les courtes citations justifiées par le caractère critique, les polémiques pédagogiques, blablabla, ce que j'ai dit, entrent dans le cadre des reproductions, et sachant qu'on va apporter bien plus que le texte, je l'espère. Voilà. Hop, je mets bien le texte. C'est l'objectif. J'ai déjà mis une référence pour les personnes qui sont intéressées par rapport à cette question du cadrage biomédical. C'est un article qui est assez intéressant, je trouve, sur la question, justement. Et bonsoir Myril, il faudrait que tu m'envoies tout ça aussi, je rajouterai tout ça ouais. Dans le commentaire de la vidéo au moment du replay, parce qu'il y aura replay. Yes. Alors, le livre s'ouvre avec ces deux citations de James Randi. Aussi intelligent et bien éduqué que vous soyez, on peut vous duper. Donc James Randi, figure extrêmement connue des mouvements sceptiques, peu ailleurs je crois. Mais... Il a quand même eu droit à son documentaire sur Netflix, si je me rappelle bien. Ouais. Mais bon, c'était un prestidigitateur très connu dans le milieu rationaliste et zététique. J'allais dire Joe Exotic aussi, il a eu droit à son documentaire sur Netflix, et je suis pas sûr que ce soit une personnalité pourtant extrêmement connue, tu vois. Donc, avant le documentaire, j'entends, tu vois. Mais si, on a. Wolf Superplay, bonsoir, qui nous dit qu'il était connu. Mais je pense qu'il a eu une carrière quand même avant ces histoires de. Oui, non, mais il a eu une carrière, clairement, mais je veux dire, aujourd'hui, maintenant, c'est. Et Wolf Superplay nous confirme qu'il est magicien lui-même, dans le milieu. Mmh. Ok, dans le milieu. Et il était très connu. Enfin, j'ai l'intime conviction qu'il était très convaincu aux États-Unis au moins. Donc, Ah ouais, non, mais moi je n'ai vraiment jamais entendu parler dans le milieu sceptique, mais. Si, enfin, avant le milieu sceptique, je veux dire, justement. Avant de fréquenter un peu ces milieux-là, je n'avais vraiment jamais entendu parler. Quoi. Donc, la seconde citation. Donc de Robert-Vincent Joux et Jean-Léon Beauvois dans Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un bouquin assez intéressant pour le coup, que je vais pas forcément recommander parce qu'il est quand même vraiment assez grossièrement vulgarisé, mais qui est quand même intéressant. Donc, il est déroutant de constater que l'individu, bien sous tout rapport, celui qui adhère à la plupart des normes de jugement, tout en croyant d'ailleurs s'en départir, celui qui se rend libre, celui qui veut être consistant, celui qui trouve en lui-même les raisons de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive, de constater donc que cet individu-là est incontestablement le plus manipulable, que ce soit aussi cet individu-là qui ait le plus de chances de réussir dans la vie professionnelle et sociale dans nos sociétés démocratiques a de quoi de faire réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça, pour le coup, typiquement, c'est les hot takes qui font que je ne recommanderais pas vraiment le livre. C'est un peu ce genre de choses. Ça dit beaucoup sur la société. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, enfin bon, déjà, on peut vraiment lourdement discuter cette citation, hein, adhérer à la plupart des normes de jugement, tout en se croyant d'ailleurs s'en départir, etc. Oui, c'est-à-dire qui, quand, pourquoi. En fait, on est vraiment sur une énorme généralité qui est extrêmement vague, extrêmement floue, et en fait, qui est pas du tout étayée et documentée, quoi.
on balance un truc comme ça, ça fait très... voilà, on a l'air intelligent en disant ça, parce que on critique même les gens qui pensent se départir des normes de jugement. Ouais, on est vraiment sur un truc d'un point de vue rhétorique qui est extrêmement... on est plus que au-dessus, on est au-dessus des gens qui se pensent au-dessus, quoi. Donc on est vraiment très très au-dessus. Mais en fait, c'est un peu du flan, quoi. Alors, tu as dit, on balance des trucs comme ça, source... Enfin, t'as pas dit source, crois-moi, mais... je pense que, mine de rien, le choix des citations était judicieux pour dire dans quoi on mettait les pieds. Oui, alors ça, ça c'est encore une autre question. Moi, je trouve ça intéressant à noter, le fait de dire qu'on va utiliser ça comme une citation, justement, en mode le truc un peu percutant et la citation de début d'ouvrage, sachant qu'en fait, c'est un peu globalement du flan, quoi. On verra à quel point. Rentrons dans le vif du sujet. Et commençons donc avec les quatre principes de la baliverne. Principes de la baliverne, qui commencent donc avec une nouvelle citation. La plus coûteuse de toutes les folies consiste à croire passionnément dans ce qui est de toute évidence faux. C'est l'occupation principale de l'humanité. Alors, voilà, pareil, les trucs de l'occupation principale de l'humanité. Source. Accessoirement, je vais chercher. Est-ce que tu sais qui est le type Bien non. Tirer cette citation. Pas du tout. Eh ben, je vous invite à aller voir qui était Henry Louis Mencken, puisque il est décrit. Sur sa fiche Wikipédia, par exemple, comme un journaliste, linguiste, satirique, critique social et libre penseur américain, surnommé le sage de Baltimore ou encore le Nietzsche américain. Alors, tout ça, c'est pas forcément super, super intéressant. Il était accessoirement traducteur de Nietzsche et tout. Mais si je ne me trompe pas, c'est lui qui est connu pour avoir rapporté et... Alors, je crois bien que c'est lui qui a, popularisé l'expression de procès du singe, si je ne me trompe pas. Et ses positions politiques, on va dire que il est classé par les gens qui en parlent sur Wikipédia, par exemple, comme un anarchisme de droite. Ah, de l'intérieur, quoi. Et ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que, c'est un homme de son époque, on va dire. Je crois qu'il était plutôt, il était plutôt conservateur. J'avais pris des notes sur lui en plus. Ah oui, la page Wikipédia est assez terrible en la parcourant comme ça. Bon, on va pas faire l'historique du bonhomme, mais effectivement, ça a l'air. Si on va voir la vie du type, c'était effectivement aussi un gros fan de Ayn Rand, la philosophe libertarienne. Ah bah oui. Et un homme du début de siècle, fan de Nietzsche. Donc ça donnait ça donne une personnalité assez haute en couleur. Oui. Et je crois justement me rappeler que il avait un certain dédain pour beaucoup de pratiques scientifiques, notamment la physique théorique ou ce genre de choses, parce que c'était un empiriste forcené. Ah. C'est un très mauvais, carabiné. Même si. Parfait. Voilà. J'ai malheureusement pas mes notes sur lui, mais je me souviens que ça volait pas mal pour un intellectuel qui maintenant qui servirait de référence. Alors. Maintenant. Je précise tout de suite, c'est pas juste du hate read, c'est une lecture critique, et oui. Donc justement, si tu remontes, alors donc du coup, vu que tu viens d'arriver à Mondrian, tu n'as pas vu j'ai déjà mis une référence scientifique qui sera mise en lien avec le replay. L'idée, ça va être de partager des sources scientifiques. Non, pareil, pas de bingo, etc. On va essayer de rester minimalement sérieux et professionnel par rapport à des références et des contenus scientifiques, quoi. Je suis désolé, ce sera peut-être moins fun, mais ce sera aussi moins violent et mieux en termes de contribution au débat public, on va dire.
Mais Oui, effectivement, il y a espérons-le. une part de, on sait que c'est quand même pas ouf, quoi. Hop. Je veux juste revoir si je n'ai pas dit une bêtise. Mais peut-être. Mais je vous invite à lire la biographie de Mackenzie sur sa page anglaise, voilà, je retrouve. Où il a écrit Mencken a défendu les vues évolutionnaires de Charles Darwin, mais était très défavorable enfin, il a parlé de manière défavorable de beaucoup de physiciens prominents en anglais, et enfin, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les mathématiques pures. Considérant la physique théorique, il a dit à l'éditeur Charles Angoff, imaginez mesurer l'infini, c'est à rire. That's a lot. Donc c'est rigolo quoi, enfin c'est débile. Et donc vous avez voilà. Est-ce que les postures anti-scientifiques dans le milieu du scepticisme, ça devrait nous étonner? Non, Pas vraiment. mais c'est rigolo de mettre en lumière, enfin en regard la personnalité du bonhomme par rapport à des domaines scientifiques qui étaient déjà en plein essor à son époque. C'était les années 20-30, donc c'était après les théories de la relativité qu'elles étaient au moins postulées et confirmées expérimentalement. Et bon, pour de... voilà. On rappelle la citation, la plus coûteuse de toutes les folies consiste à croire passionnément dans ce qui est de toute évidence faux. C'est l'occupation principale de Ouais. l'humanité. Mais donc, sachant que voilà, considérait lui-même la physique théorique comme un truc et les maths comme un truc. Inutile et à rigoler, donc au point d'en rire, je trouve ça. Disons qu'il avait peut-être pas forcément en tête ce qu'on lui prêterait en le mettant en intro de ce bouquin. C'est toujours vérifier ses sources. Hein. Mettre en Donc, regard. Et bonsoir, on les copains. commence. On commence, je lis ou tu lis, on s'est même pas mis d'accord. Je peux commencer? Ah, vas-y. Allez. Nous avons tous intérêt à croire un maximum de choses vraies et aussi peu de choses fausses que possible. Nous avons même un intérêt personnel à ce que tout le monde en fasse autant. Les décisions collectives reposeront ainsi sur des faits solides, les politiques publiques seront plus efficaces, la société se portera mieux. J'ai mis « croire » entre guillemets en raison de la forte polysémie du mot. Ici, je l'emploie dans le sens de « tenir pour vrai ». Alors, bon, effectivement, c'est plutôt bien. Croire, c'est tenir pour vrai. Ça, c'est plutôt déjà un truc. C'est cool qu'ils le prennent comme ça. Par contre, le début du paragraphe, donc le début du livre, a vraiment. Genre, il y a 10 000 contre-exemples qui montrent que c'est faux, en fait. On peut avoir des intérêts immédiats à croire des choses qui sont fausses, parce que c'est notre intérêt de classe, par exemple. Et si tout le monde croit, donc là typiquement la phrase « nous avons même un intérêt personnel à ce que tout le monde fasse autant », bah c'est pas vrai en fait. Si on est blanc, on a un intérêt personnel à contribuer à une hiérarchie raciale, parce que du coup on est au-dessus en fait, alors que c'est faux. Donc de fait, déjà la première phrase du livre ne tient pas, ça marche avec globalement toutes les situations de domination, hein, quelle qu'elle soit. Du coup c'est mal barré. Oui, ça dépend ce qu'on entend par intérêt après, mais c'est là pour le moment c'est relativement flou. C'est la première phrase du livre. Voilà. Mais bon, peut-être que dans la suite ce sera mieux. Bien sûr, nous savons d'expérience qu'il nous arrive de croire des choses fausses, de nous tromper. Parfois même, nous nous entêtons. Et d'ailleurs, nous savons reconnaître, au moins chez autrui, les signes de l'obstination dans l'erreur. Ce qu'il nous reste à réellement comprendre, à mesurer et à gérer, c'est que ces erreurs ne sont pas dues au hasard. Elles ne partent pas dans toutes les directions, mais empruntent des chemins de moindre résistance, et notamment les failles dans notre rationalité, que sont les biais cognitifs. Ça y est, le mot a été lassé. La ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ligne 11, le mot biais cognitif a été lâché. Nous sommes disposés à croire certaines choses et à en rejeter d'autres. Certaines théories scientifiques solides se heurtent à des obstacles épistémologiques. Obstacles épistémologiques, ok. Tandis que des légendes folkloriques ou des romans nationaux s'engouffrent dans l'angle mort de notre vigilance. Alors.
Oui. Enfin, pour l'instant, là, enfin, je, bah, oui, enfin, oui, il nous arrive de croire des choses fausses. Oui, des fois on se trompe, et des fois on sait reconnaître chez les gens que les gens se trompent. Ces erreurs ne sont pas dues au hasard. Oui. Alors le truc, le fait de parler de chemin de moindre résistance, il y a quand même un truc qui est perturbant dans la façon de l'écrire ici, c'est la façon de donner un peu une espèce de vie aux erreurs. Il y a un côté un peu, c'est un peu en lien avec le cadrage biomédical là, qu'on évoquait pour la quatrième de couverture, le truc de les erreurs, elles empruntent des chemins de résistance, vous voyez, il y a une forme de construction du discours déjà qui commence dès le début sur les erreurs, c'est quelque chose qui est indépendant de nous. Genre c'est des parasites mentaux, quoi, des virus et tous ces trucs-là, quoi. Un truc vivant en... Comment dire ? En dehors de notre responsabilité, etc. Genre c'est en dehors de nous, en fait. Une erreur, notre erreur, elle est en dehors de nous. C'est une erreur, elle existe, genre ex nihilo, quoi. Elle est là. Elle se balade. Ouais. Alors que c'est pas vrai du tout, hein, évidemment. Alors on pourrait nuancer en disant que l'analogie avec les chemins de moindre résistance, ça implique pas forcément un aspect conscient mais de la chose, mais au moins indépendant effectivement, comme une particule. Mais ouais, tu vois, mais il y a un truc actif quand même, tu vois, l'erreur emprunte elle-même le chemin, tu vois. Mm. Le chemin, il est là, nous, c'est le chemin, nous, notre tête, on est juste le chemin de moindre résistance dans notre tête, tu vois. L'erreur, elle emprunte activement, tu vois. Donc il y a quand même un truc qui, déjà, en termes de langage... Et vraiment à discuter, je pense. Bah ça, ouais, ça, ce sera le cadrage d'à peu près d'une bonne partie du livre. Donc, Ah oui, ça ne m'étonne pas, mais je pense que c'est vraiment important à noter dès le début, en fait, mmh. Ce genre de cadrage. Parce que, voilà, il y a une forme, une façon de donner une vie un peu aux erreurs et tout, qui est en fait vraiment discutable et qui, là, d'entrée de jeu, est posée comme acquise, quoi. Donc là, si nous sommes disposés à croire certaines choses, en rejeter d'autres, oui. Certaines théories scientifiques solides se heurtent à des obstacles épistémologiques. Alors là, je suis vachement étonné qu'il parle d'obstacles épistémologiques, puisque c'est un terme de didactique. Alors, bon, c'est pas que les théories scientifiques solides, en l'occurrence, mais enfin bon. Je suis curieuse de voir comment est-ce qu'il va le mobiliser dans la suite. Donc, dans la suite, justement. Toute vérité n'est pas crédible. Il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie et pas de relation directe entre le degré de conviction que nous inspire une croyance et sa véracité. Oui. Pour de multiples raisons. Déjà, le vrai souffre du handicap majeur de ne rigoureusement pas pouvoir être autre chose que ce qu'il paraît, sous peine d'échapper à sa propre définition. Alors, ce que j'aime bien, c'est que cette phrase est très approximative. Attends. Je ne comprends pas. Attends, le vrai handicap ne peut pas pouvoir être autre chose que ce qu'il paraît. Donc le vrai ne peut pas être autre chose que ce qu'il paraît, à savoir vrai. Ah non, il ne peut pas être autre chose que ce que nous, on perçoit du vrai, parce qu'il est conditionné par le vrai, en gros, c'est ça l'idée. Par le fait d'être vrai. Ah ouais, d'accord, donc il y a vraiment une vérité externe. Bon, ça se discute d'un point de vue épistémologique, mais bon, c'est... Ok. Le vrai est aussi parfois décevant, abscon, indésirable, voire brutal. Parfois. Oui. Ça peut un peu tout et rien dire, quoi. Le vrai est parfois décevant, parfois non. Le faux, lui, s'arroge le droit à tous les artifices. Il s'adapte à l'oreille convoitée, enflamme l'imaginaire, flatte les préjugés. Le combat est inégal, mais nous recherchons le vrai, et là est son seul avantage. Alors, c'est marrant parce que du coup, pourquoi est-ce qu'on rechercherait le vrai si le faux, ça nous enflammerait l'imaginaire et tout ? Non, ça me semble un peu autocontradictoire. Le vrai, le réel, c'est ce qui continue d'exister, même quand on n'y croit pas. C'est ce qu'un scepticisme bien dosé ne peut pas nier. Alors, bien dosé, tout l'art est dans le dosage. Hein, Non. Donc. Ouais, en fait, là, surtout, mon problème, là, c'est que c'est hyper grandiloquent et ça veut un peu rien dire, quoi. Oui. Enfin, c'est un peu vide, non ? En fait, je ferai une critique scientifique de ça, mais j'ai un peu rien à... Enfin, je veux dire, c'est même pas faux, quoi. Non, là, c'est juste du cadrage, mais c'est pour ce petit côté héroïque. Ouais, il y a vraiment un côté construction du récit, là, ici. Parce qu'en fait, le fond est complètement vide, quoi. Le vrai est parfois décevant, parce qu'on en a un, bah oui, ok, mais bon, enfin, des fois, il est parfois non, et... Attends, il y a le chat qui réagit pas mal quand même.
Il y a Medica qui demande, elle est entre guillemets la phrase de Kadik ou pas? De quelle phrase? Parce que là, il y a eu aucune, aucune citation encore dans le texte, ou on l'a pas encore lu. Ah, une phrase qui aurait été écrite par Philippe Kadik. Le réel qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Ou c'est une phrase de Philippe Kadik? Ça aurait été bien de citer, hein. Ça aurait été bien de citer. Non, génial. Bien joué. Félicitations. Tu as gagné un point manque de citation. On va pas. C'est dans... ça. Un point plagiat. Un point Étienne Klein. Oh non, dur quoi. Voilà, ça aurait duré deux pages. Bon. Bah attends, j'ai quand même envie de vérifier. C'est quoi la phrase? Effectivement, donc c'est une excellente. Donc la phrase c'est le vrai, le réel, c'est ce qui continue. Donc la phrase qui est donnée dans le chat c'est le réel est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire. Et donc la phrase de Mandax c'est le vrai, le réel, c'est ce qui continue d'exister même quand on n'y croit pas. C'est dans quel bouquin aussi de. Il y a dit que si tu sais, si tu t'en rappelles. J'en profite pour faire une remarque à François Vie. Absolument, hein, le faux n'est pas nécessairement du mensonge ou de la tromperie. Le faux, ça peut aussi être simplement de l'erreur. Typiquement, pour reprendre l'exemple qui était donné plus haut, les théories scientifiques solides se heurtent à des obstacles épistémologiques, tandis qu'il y a des légendes folkloriques ou des romans nationaux qui s'engouffrent dans l'angle mort de notre vigilance. On n'est pas du tout sur la même chose. Hein. Une théorie scientifique solide qui se heurte à un obstacle épistémologique, on est vraiment de l'ordre de l'erreur, de l'incompréhension, là où le roman national, il y a un agenda politique derrière. Et la légende folklorique, a priori, non, c'est plutôt juste genre une histoire, quoi. Mais voilà, déjà comparer les trois trucs ensemble, c'est déjà un truc qui est problématique parce qu'on mélange un petit peu les torchons, les serviettes et genre les vases. Mais alors Bunker Day a trouvé la source apparemment. Moi j'ai tapé la phrase et ça m'a sorti Bernard Weber qui citait Philippe Kadik. Donc bon, cette phrase n'est effectivement pas un original de Mandax. C'est dommage, il aurait pu la citer. Déjà, citer des écrivains célèbres, c'est cool. Dit qu'il a eu des positions de merde, mais voilà. Et ça aurait un petit peu densifié la bibliographie. Mais bon. Donc, j'avoue que. Alors, donc, je n'ai pas personnellement lu l'ouvrage en entier pour l'instant. J'ai lu des morceaux à différents moments, etc. Donc, il y a des trucs que je découvre en même temps que vous. Donc là, j'avoue que c'est une belle découverte. Félicitations donc à Medica pour cette découverte. Citation ratée. Mais voilà, bon, joli. Donc, poursuivons. Nous croisons tous une infinité d'idées fausses. Ce livre ne parle pas des mensonges purs et durs, des énoncés simplement en conflit avec le réel. Le menteur agit en connaissance. Alors donc c'est ironique parce que du coup typiquement hein, par rapport à la remarque qui a été faite juste avant, le côté un peu le faux, il est séducteur, machin, on est dans un cadrage où c'est le mensonge, du coup. Mais si on parle pas de mensonge, c'est un peu gênant, quoi. Le menteur agit en connaissance de cause, en vue d'un objectif, comme le roman national, mais passons. Il cherche à masquer la vérité, à manipuler autrui, à tirer bénéfice d'une partage, d'une idée qu'il sait être fausse. Même quand j'évoquerai la pensée motivée qui nous pousse à défendre des idées pourtant réfutées, je m'intéresserai aux mécanismes qui ne relèvent pas du mensonge, mais d'inexactes représentations mentales du vrai. De même que je m'attacherai moins aux fake news qu'aux motivations de ceux qui les diffusent, qui les partagent et les défendent. Alors moi, je m'attacherai moins aux motivations de ceux qui... Ok, donc du coup, il s'intéresse pas... aux motivations des menteurs, mais en même temps ils s'y intéressent du coup. De même que je m'attacherais moins aux fake news qu'aux motivations de ceux qui les diffusent. Ouais, non, mais ils s'intéressent pas aux fake news, ils s'intéressent aux motivations de ceux qui les diffusent. Par contre, du coup, c'est pas les mensonges, parce que le mensonge agit en connaissance de cause, non. Donc, du coup, en fait, il a déjà la réponse. Les motivations de ceux qui diffusent les fake news, c'est le mensonge, c'est dit juste au-dessus en fait. Le menteur agit en connaissance de cause, en vue d'un objectif. Il cherche à masquer la vérité, blablabla. Après, il peut dire qu'il s'intéresse à l'objectif des menteurs, mais je suis assez peu convaincu, en tout cas par la première moitié du livre, par cette assertion. Oh,
Ah ok, oui, ça ah ok, pardon, j'avais pas effectivement compris. Bunker D, corrige, oui, il s'intéresse à ce qui est inconscient, my bad. Ah, les biais. Absolument, oui, les biais, tout ça, évidemment, oui, effectivement. Donc, surtout, le cœur du livre concerne le bullshit, qu'on peut traduire par baliverne. Des énoncés dont la production et la diffusion n'ont finalement pas grand-chose à voir avec leur véracité, mais bien plus avec leur dimension socio-psychologique. En clair, si tant d'entre nous croyons des balivernes, c'est parce qu'elles ont une forme et une substance parfaitement adaptées pour nous atteindre et nous contaminer. Ah, donc on est vraiment sur la contamination. Hein, attends, c'est... je veux... Tac-tac, il y a effectivement... une petite note au niveau de... Donc il y a une note, est-ce qu'elle est en fin de chapitre ? Ou est-ce qu'elle est en... c'est la bibliographie, la note ? Les notes, je te conseille de mettre un petit... un petit signet, parce qu'elles sont à la fin du livre. Ah oui, note bibliographique, les 4.6 de la balivernes, donc il nous donne une référence. The Science of Fake News, Laser Edit Train. Je crois que ouais, c'est des articles de Science. Ouais, c'est le laser. Oui. Et alors, je sais pas si tu t'en rappelles de cet article. Cet article de Science, je crois pas. Si, effectivement. Ensuite, les articles de Science qui parlent de sociaux, globalement, ils sont souvent un peu discutables. Notamment parce qu'ils sont très très courts. Un article intéressant qui peut être mobilisé quand on parle de fake news, c'est un article dans Informal Logic. C'est un article que moi j'apprécie beaucoup et que j'ai pas mal utilisé. Je vais vous mettre la référence en lien, qui s'appelle Fake News, a Definition. Il est vraiment intéressant, je trouve, cet article. Ça va vraiment donner un cadrage un peu sur ce que c'est que les fake news, etc. Fake news qui ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, des bullshit ou des balivernes. Et comme c'est assez bien d'ailleurs défini dans cet article-là, qui est paru dans Informal Logic. Et que je vous recommande très vite. Sinon, au niveau du bullshit, il cite le bouquin de Diegues, Total Bullshit. Total Bullshit. Qui lui-même doit citer les trucs de psychologie du bullshit de Penny Cook et collaborateur, qui sont intéressants mais très discutables. Le bouquin de Diegues, je ne l'ai pas lu. Les trucs de Penny Cook originels sont intéressants, mais oui, on peut les critiquer, on ne va pas le faire ici, parce que ce sera un peu long, mais voilà. Donc. Tac. Vas-y, je te laisse continuer la lecture. Tu t'es arrêté où déjà ? Contaminé. Voilà, les balivernes ont une forme parfaitement adaptée pour nous atteindre et nous contaminer. On est vraiment sur le côté un peu viral et très. Elles ont une vie propre, quoi. Les balivernes, elles sont là, elles sont partout, elles sont. Toujours, hein. Malveillantes, quoi. Après, il y a pas mal de remarques aussi sur le style. Bon, j'espère qu'on va assez commenter parce qu'effectivement, c'est pas vraiment le genre de littérature que j'apprécie. Donc, je comprendrais que les gens aient besoin un peu de souffler de temps en temps. J'espère qu'on va beaucoup parler. Oui. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé parce que je trouve qu'il y a un peu rien à dire. En fait, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais. En fait, donc là, le début, il nous parle justement de balivernes, etc. Mais le début, les énoncés sont relativement vides, en fait. Pour le moment, c'est assez vraiment clair, sur des déclarations d'intention et tout, mais bon. Ah, ça fait deux pages en même temps, mais on veut pas. Oui. Donc, et merci Elena Wash de nous suivre. Je reprends. Personne n'a préparé les citoyens que nous sommes à se défendre contre une forme de désinformation capable de prendre en défaut le fonctionnement de notre cerveau. Des balivernes qui empruntent les pentes naturelles de l'esprit pour se faire une place bien douillette dans notre représentation du monde, vous en connaissez une pléthore. Ça veut dire beaucoup. Et là, nous avons une petite liste. Il y a un monstre dans le Loch Ness. Ce n'est pas l'activité humaine qui dérègle le climat. On a la preuve que l'âme survit au corps. L'homéopathie fonctionne mieux que le placebo, grâce à la mémoire de l'eau. L'homme n'a jamais marché sur la Lune. L'astrologie est une science. Quand on fait suffisamment d'efforts, on obtient ce que l'on désire. Les pierres semi-précieuses émettent des énergies bonnes pour la santé.
Le complot Illuminati dirige le monde. Il faut décalcifier notre glande pinéale pour avoir accès à des perceptions extrasensorielles. Les vaccins causent l'autisme. Hop, j'avance un petit peu. Le Moyen-Âge n'a jamais existé. Les médiums voient l'avenir. Les chambres à gaz sont une pure invention. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Il y a plus de naissances. Les nuits de pleine lune, les pyramides d'Égypte ont été construites par les Atlantes. Les méchants sont toujours punis. On peut détecter le mensonge en décryptant le langage non verbal des individus. Les agroglyphes sont des messages extraterrestres, etc., etc. Alors là déjà, il faut quand même noter que les énoncés qui sont donnés là en vrac comme ça sont clairement, très clairement, de registres différents. Effectivement, comme c'est noté, il y a plein de trucs ici dont la croyance relève beaucoup plus d'aspects sociaux que du biais. Mais pas que, en plus. Enfin, on est vraiment sur des croyances qui sont des trucs potentiellement soit des core values, vraiment des trucs extrêmement centraux, quoi. Genre core values, comme en anglais core, genre ouais, noyau, le central, exactement, les valeurs, ouais, centrales, des ouais. Valeurs centrales pour nous autour desquelles on peut se construire, quoi. On peut se construire son identité sur le fait que si on a un anti-vax vraiment à balle, quoi, on peut construire son identité sur le fait que les vaccins causent l'autisme. Globalement, par contre, les trucs genre les méchants sont toujours punis, ces grandes phrases comme ça, un peu de préceptes sur le monde, quoi, c'est pas forcément un truc sur lequel on va pouvoir construire son identité, en fait. On peut construire son identité sur. Pareil, il y a des trucs qui sont anecdotiques, je voudrais parler plus des pyramides d'Égypte. Ouais, alors si on est à fond en mode la révélation des pyramides, machin, on peut se retrouver complètement embarqué dans un truc où on va vraiment se construire là-dedans comme un truc, machin, quoi. Mais les trucs comme les naissances d'une pleine lune, c'est totalement anecdotique, et je pense qu'il y a plein de gens, si on leur dit, mais genre, ben, non, c'est pas vrai, ils vont dire, ah, ok, et s'en foutre. On n'est pas du tout sur le même registre, en fait. Sans parler des trucs qui sont éminemment en lien avec des croyances politiques, comme les Illuminati, comme le négationnisme, comme... il y en avait une autre, je crois. Alors, il y a les Illuminati. Ouais, il y a les Illuminati, le truc négationniste, Bon, après, il y a des trucs genre l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ou les pyramides d'Égypte, ou le Moyen-Âge n'a jamais existé. Là, on est un peu sur des trucs qui vont supposer un complot, etc. Mais bon, on est sur quand même des choses... qui sont d'ordre extrêmement varié, et du coup, alors déjà ça paraît étonnant que, comme ça a été relevé dans le chat, hein, chat que top. D'une part tout relève de biais uniquement cognitifs, mais d'autre part, clairement, si ça relève de biais cognitifs, ça ne relève à supposer que, ce qui n'est pas le cas, ça ne pourra pas relever des mêmes, en fait. Parce qu'on est vraiment sur des croyances qui sont d'ordre extrêmement différent. Le fait de considérer une croyance fausse comme juste une croyance fausse, de façon complètement homogène et interchangeable, c'est quelque chose qui, très vite, d'un point de vue scientifique, va se heurter à des gros problèmes. Ce qu'on va voir dans la suite, je pense. Ce qui est très drôle, c'est que justement, tu dis ce sont des choses qui sont de registres différents, et donc qui reposent sur des mécanismes différents. Mais dans la suite, justement, il va nous proposer le modèle NARA. Alors, je spoil un petit peu, le modèle NARA qui explique les caractéristiques que doivent avoir les balivernes pour justement bien fonctionner et bien prendre les pentes glissantes naturelles ça va être super. De notre esprit, selon lui. Alors, déjà, c'est très drôle, des histoires inventées qui se retrouvent à prendre des pentes glissantes naturelles. Alors, ça, j'ai vu que le chat l'avait pas mal relevé aussi. Une drôle de formulation. Mais bon. Alors, ça me pose question parce que déjà, le premier truc, la baliverne ne se nourrit pas de vrais arguments. Elle n'a pas de lien avec aucun des moyens disponibles pour déterminer l'adéquation de son contenu avec le monde réel. Genre ça, c'est pas vrai. Coucou, Lou. Salut, Lou. Donc je reprends juste la suite parce que genre, le paragraphe juste après, là, il me semble assez faux. Ça y est, ça démarre. Donc la baliverne ne se nourrit pas de vrais arguments, elle n'a de lien avec aucun des moyens disponibles pour déterminer l'adéquation de son contenu avec le monde réel. Elle se contente pour l'essentiel de plaire, de mettre en colère ou d'effrayer, de provoquer une réaction affective. Son existence ne nécessite pas un désir de tromper de la part de ceux qui la produisent et la partagent, mais elle survient dans un vide épistémique, en l'absence d'une démarche critique envers la chose crue.
Alors ça, c'est juste faux, en fait. Parce que le fait de parler de vrais arguments, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a pas de vrais arguments et de faux arguments. Il y a éventuellement des arguments qui sont plus ou moins pertinents, il y a des arguments qui sont plus ou moins robustes. Mais parler de vrais arguments, ça veut strictement rien dire. En plus, à supposer même que ça veut dire quelque chose, allez, on va accorder que ça veut dire genre argument robuste. Le truc étant que, bah, en fait, si, a priori, il y a quand même des trucs, il y a quand même des recherches d'arguments, en fait. Typiquement, le truc des pyramides d'Égypte, blablabla. Je veux dire, justement, c'est pas à M. Durand qu'on va apprendre qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des films entiers pour essayer de donner des arguments pour expliquer que les pyramides ont été construites par des Atlantes. Mais c'est des arguments qui sont minables. Du coup, il va te dire c'est pas des vrais arguments. Oui, mais alors ça, du coup, alors c'est intéressant parce que d'un point de vue logique, et ça, c'est quelque chose qui est assez discuté chez les sceptiques, je l'ai vu dans le chat, effectivement, ça s'appelle un vrai écossais, un argument du vrai écossais. C'est un argument qui n'est pas valide parce que c'est juste absolument circulaire. Non, le fait de dire qu'une baliverne ou un truc faux n'a pas de lien avec un moyen disponible pour déterminer l'inéquation de son contenu avec le monde réel, c'est pas vrai. On prend l'exemple du Loch Ness, par exemple. Bah, y a plein de gens qui se sont arrachés à essayer de trouver des photos du Loch Ness. Voilà, ah, bah, cette photo, elle est fou. Est-ce qu'on peut la retoucher, nanana, nanana, etc. Les gens cherchent des arguments pour ce genre de choses. Des arguments de différentes sortes, de différentes natures, des arguments potentiellement mauvais parce que c'est des trucs qui sont potentiellement faux, mais quand même, les gens cherchent des arguments. Mmh. Donc le fait de dire juste ouais, la baliverne se contente de plaire, de mettre en colère ou d'effrayer, ou de provoquer une réaction affective, c'est juste pas vrai en fait. On n'est pas genre en mode ah bah tiens, il y a un truc, paf, on va le croire sans chercher des arguments. Ouais. Surtout... En plus d'ailleurs. Oui. Surtout qu'en plus, si tu discutes avec quelqu'un qui défend ce genre de thèse, il va te dire ah ouais, mais comment t'expliques ça? Et il va te balancer un truc qu'il a entendu quelque part, que ce soit vrai ou pas. Bon, bah, c'est pas le problème, c'est que justement les gens ils défendent leur position avec des trucs, même si absolument. C'est faux. Et... Absolument. Et typiquement d'ailleurs, on peut noter hein, que dans les trucs qui sont donnés ici, elle se contente pour l'essentiel de plaire, de mettre en colère ou d'effrayer ou de provoquer une réaction affective. Alors je vais en prendre trois au hasard. Au hasard. Il y a un monstre dans le Loch Ness. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça m'effraie? Est-ce que ça provoque une réaction affective? Bah bof, hein. Je suis pas sûr que ça coche vraiment les cases. Il faut décalcifier notre glande pinéale pour avoir accès à des perceptions extrasensorielles. Alors ah, effectivement, réaction affective. Waouh, ça a l'air incroyable. Est-ce que ça me plaît pas particulièrement? Est-ce que ça me met en colère ou que ça m'effraie pas particulièrement non plus? Les agroglyphes sont des messages extraterrestres. Alors on peut dire que ça effraie peut-être, éventuellement. Ça suppose déjà des trucs. Enfin, ça suppose une puissance. À nouveau, on est vraiment sur ce cadrage très voilà les fausses informations, les balivernes, machin. Elles ont une espèce d'existence propre. Et elles ont une action propre, ce qui est juste pas vrai en fait, ça ne fonctionne pas comme ça dans la réalité. Parce que les informations, c'est juste des informations, c'est inerte. Hein. Ça sert à rien de les réifier, de leur donner une vie, quoi. Ok, donc la suite. J'en profite juste pour dire merci à celles et ceux qui nous ont suivis en plus. Et oui, Lou, moi c'est Antalpiste, coucou, on s'est déjà croisé. Antalpiste, camarade de Zem, du coup. Mmh. Donc, la suite. La baliverne n'est pas non plus n'importe quelle information fausse. C'est celle que les gens trouvent un intérêt à écouter et à transmettre. Donc, typiquement, le monstre du Loch Ness, apparemment. Croisé sur Discord et sur. Vraiment, le monstre du Loch Ness, oui. Alors que c'est complètement OZEF. Hein, mais voilà, on va trouver un intérêt à écouter et transmettre l'histoire du monstre du Loch Ness. Why not? Elle répond donc à un certain nombre de critères qui la rendent redoutable. Voici donc la liste des caractères que possèdent les balivernes les plus efficaces, celles qui savent particulièrement bien se jouer de nous. Ces quatre principes contribuent à expliquer le succès de la désinformation et la difficulté à rétablir la vérité. Ils forment l'acronyme NARA que vous pouvez utiliser pour affiner votre détection des balivernes.
Alors là, je suis très très curieuse de voir s'il y a des sources dans la suite, parce que quand même, là, on nous a posé un truc qui s'appelle la science des balivernes. La quatrième de couverture nous a vendu un truc qui parle de « il y a besoin de faire une science des balivernes ». Une science des balivernes comme il existe une science des microbes pathogènes, attention. Hein. Voilà, donc voilà, donc la science des balivernes qui serait au même niveau de scientificité que l'épidémiologie, du coup. Justement, Joseph Cap, c'est ma question. Est-ce que cette performance est sourcée ? Là, clairement pas dans le livre. On va voir, est-ce qu'il y a des sources dans la suite? Alors, ouais, jusqu'à présent, on en a croisé deux. Donc, ouais, jusqu'à présent, on a croisé deux sources. C'est normal, la première page était vraiment pleine de platitudes, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de source à ça. Oui. La deuxième, il y a eu des sources, bon, why not. Donc, principe narratif, je te laisse lire. Vas-y, je vais lire tout le principe narratif et tu me diras ce que tu en penses. Alors c'est marrant parce que du coup ça fait un acronyme, ça ferait presque un acronyme récursif où il y aurait Nara, avec la première lettre ça commence par Nara aussi, donc c'est un peu comme, bon bref, c'est juste un type d'acronyme rigolo, tu vois, pour les geeks, comme les fans de GNU Linux, bah GNU, le G de GNU ça veut dire GNU aussi, donc voilà. Alors, je vais lire sur l'écran plutôt. La première qualité de la baliverne est sa viralité. C'est un énoncé facile à retenir, qui possède des traits saillants et des ingrédients qui font de belles histoires. C'est pourquoi elle est rarement nuancée et met volontiers en scène des gentils et des méchants. Elle transmet en général un capital symbolique, en italique, enfin, emphasized, donc mis en avant, c'est-à-dire que nous éprouvons une forme de désirabilité sociale au moment de partager la baliverne en société. Ouvrez les guillemets. J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé un alligator dans les égouts. Oh ben dites donc ! Fermez les guillemets. La qualité des histoires repose souvent sur les sentiments qu'elles suscitent. Les balivernes sont donc des récits forts en émotions, souvent négatives. Violence, colère, dégoût, injustice. Grâce à de fortes impressions, la baliverne peut tromper notre vigilance, nous pousser à réagir, à croire, à partager. Ouvrez les guillemets. Un vaste réseau pédophile fréquenté par de hauts dignitaires a pour QG une pizzeria proche de la Maison Blanche. Fermez les guillemets. Les explications scientifiques à certains phénomènes s'avèrent arides, désenchantées, et mobilisent des concepts contre-intuitifs. Autrement dit, elles ne font pas de belles histoires. Dès lors, nous sommes plus motivés à croire et partager des explications mythologiques ou ineptes de ces phénomènes. Petite source 2, vers tout à l'heure. Quand les émotions mobilisées par l'histoire sont fortes, le doute n'appartient plus à notre vocabulaire. Nos émotions nous engagent et tout engagement valide implicitement le contenu de l'histoire. Une réaction émotionnelle et instantanée de notre part peut provoquer un effet particulièrement pervers. La force de l'émotion ressentie nous convainc que nous croyons, encore une fois mis en avant, à cette histoire. Après quoi, nous agissons conformément à cette impression, ce qui nous mène au principe suivant, que nous verrons tout à l'heure. Mais c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais vraiment. Alors, on va reprendre point par point. Waouh. Par où commencer ? Donc, un énoncé facile à retenir qui possède des traits saillants et des ingrédients qui font des belles histoires. Bon, source, mais passons. C'est pourquoi elle est rarement nuancée et met volontiers en scène des gentils et des méchants. Alors, mais du coup, je comprends pas le lien avec les exemples. Est-ce que le Loch Ness, c'est un gentil ou un méchant ? Ben, je comprends plus. Je sais pas. Est-ce que l'alligator dans les égouts, il est méchant ? C'est très perturbant. Alors, donc, bon, les gentils et les méchants, ok. Donc non, déjà avec ses propres exemples c'est contradictoire, mais juste c'est pas vrai, hein, de toute façon, enfin c'est juste, enfin il y a plein d'histoires fausses qui mettent pas des gentils et des méchants, de toute façon. Elle transmet en général un capital symbolique, c'est-à-dire que nous éprouvons une forme de désirabilité sociale au moment de partager le bien en société. Alors ça, je ne suis pas sociologue, mais je pense que clairement c'est un non, c'est un gros non. C'est pas comme ça que c'est pas ça le capital symbolique, hein, genre non jamais. D'ailleurs. Cet exemple me semble totalement surréaliste. Parce que de je sais pas si vous... Non mais alors je sais pas. Non mais attendez. Non, l'exemple de l'alligator, parce que genre est-ce qu'on éprouve une désirabilité sociale au moment de partager le fait qu'on a retrouvé un alligator dans les égouts ?
Genre, quel est l'intérêt? T'as plus de chances de te faire dire, ah oui, c'est pas ton pote qui raconte à tout le monde qu'il a vu un alligator dans les égouts, un Mais truc comme c'est. ça. Enfin, je comprends pas. Non, mais je sais pas, en fait. Enfin, il n'y a aucune désirabilité sociale là-dedans, en plus. Autant, typiquement, ça peut être. Dans un sens, il y a des trucs sur lesquels ça peut être vrai. Typiquement, les trucs dans lesquels il a noté, hein, il y a une construction de posture d'un point de vue d'un point de vue psychologique, par exemple, dans certains trucs conspirationnistes. Le fait de dire moi, j'ai compris. Au-delà, contrairement à la plèbe, la masse grouillante de Gueusignard, quoi, moi j'ai compris comment la société fonctionnait, moi j'ai compris le monde, moi j'ai réussi à éventer le complot, machin. Bon, il y a une forme de construction de posture, du coup. Là, oui, alors bon, je parlerai pas de capital symbolique, moi je parlerai d'éthos, parce qu'on est dans une question d'argumentation. On va vraiment se construire un personnage public. Oui, là, on peut parler effectivement de construction de quelque chose, quoi. Bon, dans ces cas-là. Ensuite, pour le monstre du Loch Ness, je ne suis pas sûr. Pour l'alligator dans les égouts, clairement non. Hein. J'ai entendu dire que j'ai trouvé un alligator dans les égouts. Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Je veux dire, par exemple, l'histoire des pastilles anti-vomitifs sous les hamburgers de McDo aussi, c'est complètement une légende urbaine. Et tu dis ça pour faire marrer les limites, pour faire marrer les copains, machin. Mais personne n'y croit. Ben. Enfin, moi, c'est plus ce genre de catégorie que ça me fait penser le coup de l'alligator dans les égouts. C'est vraiment le truc. Mais. Enfin, c'est un peu niveau désirabilité sociale et compagnie. Bah, ça, à la limite, ça te donne des trucs à raconter en soirée, mais tout le monde s'en fiche, quoi. Bah voilà, enfin c'est pas vraiment une Et désirabilité comme le sociale. dit Florian Glibert, même si tu y crois, où est le problème? Enfin, on a trouvé un Oui. alligator dans les égouts, peut-être. Mais je crois qu'il y a probablement des histoires aussi d'animaux retrouvés dans les égouts comme ça, mais en soi, enfin, on s'en fout, quoi. Ouais, enfin si bon, ok, Et comme il le dit pourquoi pas. lui-même, on a tous cru des trucs débiles, mais enfin, qui sont révélés faux. Mais c'est bizarre qu'il mobilise effectivement la notion de Ouais. capital symbolique comme ça, parce qu'en plus il le met en italique, quoi. Enfin, c'est genre mot-clé, alors que c'est un sens technique en sociologie quand même. Et pour Alors, quelqu'un, enfin, je sais pas. oui, ça c'est pas du capital symbolique. Si c'est juste pour faire marrer les copains, ça c'est pas de la désirabilité. Enfin, c'est pas ça la désirabilité sociale. Genre, la désirabilité sociale, c'est pas ça. Et le capital symbolique, c'est pas ça. Donc, si c'est. Alors, enfin, donc je peux comprendre le truc de pour faire marrer les copains, ok. Ça n'a rien à voir avec le capital symbolique et la désirabilité sociale, J'ai pas du tout. l'impression que Bunker D, il comprend un peu comme moi aussi, puisqu'il dit pour faire marrer les copains, je crois qu'il met ça Oui, dans c'est la ça. désirabilité sociale. Ouais, mais sauf que du coup, ça n'a juste à. Rien à voir. Et bonsoir Xtof, d'ailleurs, j'ai eu ton message tout à l'heure, mais les alligators peuvent être dressés aussi, ils ne sont pas méchants par nature, ce sont des animaux comme les autres. Mais par contre, je suis d'accord, peut-être que les tortues ninja ont pu être inspirées par les légendes urbaines d'alligators dans les égouts, franchement, j'en sais rien. Alors que les alligators ninja, ça aurait été tellement plus stylé que les tortues ninja, mais bon, passons. Hey, moi j'adore aussi les tortues ninja, ma préférée c'est Leonardo. Ouais. Mais du coup, ce paragraphe, il n'est pas terminé parce que, donc, alors, la qualité des histoires repose souvent sur les sentiments qu'elles suscitent. Ouais, les balivernes sont donc des récits forts en émotions, souvent négatives, violence, colère, dégoût, injustice. Donc, typiquement, la phrase les méchants sont toujours punis, qui était citée plus haut. Bon, est-ce que c'est un fort en émotions négatives? Je ne suis pas sûr, de toute façon. C'est compliqué la cohérence quand même. Donc bon, exemple réseau pédophile, gnagnagna. Et juste après, alors ça c'est ça un truc qui m'a frappé. Donc il prend l'exemple voilà, du Pizzagate, là, un vaste réseau pédophile fréquenté par de hauts dignitaires a pour QG une pizzeria proche de la Maison Blanche. Et il embraye sur les explications scientifiques. Mais genre ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas d'explication scientifique au truc du Pizzagate en fait. Non, il n'y en a pas. Enfin, C'est pas de la science, ça, juste, ça a aucun ça n'a pas rapport avec la science, non, quoi. c'est comme dire qu'il y a une explication scientifique aux attentats du 11 septembre ou autre. Je veux dire, il y a une suite d'événements qui s'est passé. Après, bon, on arrive à mettre les uns à la suite des autres avec le plus de cohérence possible. Il y a une version sur laquelle on s'accorde, mais ça relève pas du domaine du discours scientifique. Oui. Après, tu peux dire qu'il y a des arguments effectivement scientifiques d'ingénieurs parce que certains des arguments justement des théories alternatives, des théories du complot, machin, disent que, oh là là, ça, je sais plus, alors il y a une histoire de le métal pouvait pas fondre à telle température, machin, machin, alors qu'en fait, avec Oui. la structure des tours, ça s'explique à cause de la pression.
Enfin, je ne m'en rappelle plus exactement. Il y a des arguments style d'ingénierie don't technique. melt, machin. Enfin, il y en a plein. D'ailleurs, bah, justement, ils recherchent Mais. des arguments, hein. Enfin, c'est Alors, ouais, pour dépassionner le truc. mais du coup, effectivement, là, on fait intervenir plus des discours d'ingénierie aussi, ou d'études scientifiques, ou. Mais pour le réseau pédophile, ça n'a aucun sens. Oui, pour un réseau pédophile de. Voilà, de. Ah, y en a. Oui, Jet Fuel can't Oui, melt voilà. steel beam, c'est ça, la C'est gars. ça, la Et phrase alors, je trop sais connue. plus exactement pourquoi, mais effectivement, comme les steel beams étaient tordus, il fallait calculer les contraintes correctement, et ça les faisait péter. Mais c'est des arguments techniques, mais ça nous. Mettre les uns à la suite des autres pour reconstruire l'histoire, ça ne relève pas du discours scientifique. Mais ouais, et puis ce serait même pas science, ce serait même pas, enfin, en Andrian, tu dis scientifique et sourcé, mais même pas, parce que là, en fait, c'est même pas qu'une question de source, c'est une question de juste. En plus, même la phrase est pas, enfin, la phrase est juste fausse, quoi. Donc, les explications scientifiques à certains phénomènes s'avèrent arides, désenchantées, mobilisent des concepts contre-intuitifs. Ce, effectivement, c'est potentiellement vrai. Autrement dit, elles ne font pas de belles histoires. Ben, en vrai, moi, je trouve ça vraiment une vision hyper triste des sciences, quoi. Enfin, moi, j'essaie d'enseigner les sciences et j'essaie de former des profs à enseigner les sciences. Waouh, enfin j'essaie pas de. Justement, je leur dis pas, bon, les sciences c'est chiant, donc allez, hop, on va enseigner des trucs chiants, quoi. Oh, c'est triste, quoi. Une vision des sciences qui là-dedans, qui est vraiment. Et une vision de la vulgarisation et de la diffusion des sciences que je trouve vraiment mortifiante, quoi. Dès lors, nous sommes plus motivés à croire et à partager des explications mythologiques ou ignobles de ces phénomènes. Ouais. Bon, ça c'est encore pareil, j'ai envie de dire source. Là, il en donne une cette fois-ci. Why not? Bon, personnellement, les travaux d'Hugo Mercier me laissent un petit peu de marbre, donc je vais pas rentrer dans le détail là, mais bon, voilà quoi. Après, ce qui pr... moi C'est je lis de juste l'évopsie. ouais je lis juste l'abstract. En gros, ils ont demandé à des gens de noter des croyances qu'ils considéraient comme mythes ou non mythes, et à quel point ils étaient volontaires pour les partager. Et du coup, leur conclusion dans l'abstract, c'est un facteur potentiel qui pousse la volonté de transmettre à la fois les mythes et les non mythes. Serait la croyance des participants que ces croyances leur donnaient le sentiment d'être more knowledgeable, donc plus sachant, traduire littéralement. Ouais. C'est bizarre parce qu'ils immobilisent ça pour dire les explications scientifiques à certains phénomènes s'avèrent arides, désenchantées et mobilisent des concepts contre-intuitifs. Autrement dit, elles ne font pas de belles histoires. Dès lors, nous sommes plus motivés à croire et partager des explications mythologiques ou ineptes de ces phénomènes. Et leur conclusion, c'est plutôt de dire qu'on partage des mythes ou des non-mythes, c'est potentiellement le facteur qui pousserait les gens à partager, ce serait de dire que ça les rend plus sachants. Ce qui n'a rien à voir avec la phrase qu'ils Donc, viennent dire, en fait. oui. Donc c'est juste pas bon. Là, le papier, soit il n'est pas au bon endroit, soit c'est Problème pas le de bon papier. source. Bon, très bien, c'est formidable, c'est génial. Pardon, Ok. mais. On va passer là-dessus parce que bon, une source mal citée, Ça arrive. c'était évident quelque part. Hein, ça. Oui, ça, bon, ça arrive. Bon, il y a une source qui a été oubliée. Bon, voilà, bon, ça fait beaucoup de trucs. Mais surtout la suite aussi. Enfin, de toute façon, depuis le début de ce paragraphe, rien ne va. Le principe narratif, là, je sais pas d'où il vient. Et là, la suite, quand les émotions mobilisées par l'histoire sont fortes, le doute n'appartient plus à notre vocabulaire. Nos émotions nous engagent et tout engagement valide implicitement le contenu de l'histoire. Ça, c'est complètement absurde comme phrase. J'ai juste pas d'autres mots pour décrire ça. C'est une phrase qui est absurde. Genre, on peut. Tout engagement valide implicitement le contenu de l'histoire. Ça, c'est juste totalement faux. Genre, si je vous dis un truc qui vous fait réagir parce que ça vous choque, et justement parce que c'est violent et nuisible, bah ça valide pas le contenu de l'histoire, genre. On peut dire waouh, c'est vraiment très très faux. Oui. Bah oui. Et bon. Genre, je sais pas, moi typiquement quand je lis la phrase les chambres à gaz sont une pure invention, moi ça me choque de lire un truc négationniste dans un bouquin, et je vais pas me dire waouh, je suis choqué, donc ça valide le contenu, quoi. C'est complètement con. Bah c'est ça, ça rejoint la remarque que fait Dominique, et coucou Dominique, puisqu'elle dit: Ah oui, c'est absurde, nos émotions peuvent au contraire nous amener à douter plus 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 plus. Bah oui. Toute personne anxieuse le sait. Oui. La force de Mais. l'émotion ressentie nous convainc que nous croyons à cette histoire, blablabla. Ça, c'est. Franchement, je suis curieuse de voir des sources.
Parce que là, c'est balancé comme ça, et ça semble... Alors, j'ai envie de dire, c'est quoi l'adage des sceptiques là-dessus? Une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires, non? C'est ça? On va pouvoir rejeter... Non, peut-être une affirmation sans preuve, peut-être rejeter sans preuve. Ou une affirmation Non, mais il y a les extraordinaire, deux. ouais. Non, mais il y a les deux. Il y a un truc extraordinaire qui demande un truc extraordinaire. Parce que là, on est vraiment sur l'affirmation extraordinaire. Hein. C'est genre, là, on est sur un truc qui sort de complètement nulle part et qui est, genre, est trivialement faux, quoi. Trivialement faux. Voilà, donc... Mais Bon, alors, c'est... on viendra te dire que c'est parce que tu n'as pas d'engagement émotionnel parce que, vis-à-vis de ce que tu lis. Alors, Bah, mais je sais pas si c'est tu viens de déjà. dire le contraire parce que tu peux avoir des engagements émotionnels très négatifs par rapport à ce que tu lis. Bah oui. Moi, quand je lis ça, j'ai un engagement émotionnel négatif, mais ça m'incite pas à le croire. Oui. Oui. Alors, Non, je sais pas. alors ça, c'était le principe narratif. Ok. Vas-y, principe d'attraction, vas-y, Alors, c'est bon. passons au principe d'attraction. Attention. La baliverne efficace est celle qui, une fois diffusée, va être retenue. Elle va éveiller de l'intérêt et l'envie d'être crue, mais surtout d'être diffusée. Est-ce que j'ai mis le principe d'attraction? Ah, j'ai oublié le texte. Je vous le remets. Pardon. Mais surtout d'être diffusée. Les vérités ne sont jamais contraintes par autre chose que leur véracité, leur adéquation avec la réalité. Les balivernes, elles, sont contraintes par leur attractivité. Une forme de sélection darwinienne élimine les Oh. balivernes incapables de séduire. Par conséquent, les balivernes les plus répandues sont par définition les plus attractives, et à leur attractivité s'ajoute le phénomène de la preuve sociale. Si tant de gens répètent cette baliverne, chacun d'entre nous peut la croire d'autant plus facilement. Et puisque tant le font, chacun se sent moins responsable de la tâche de vérifier son contenu. C'est le phénomène de, ouvrez les guillemets, l'effet spectateur, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, effet témoin, fermez les guillemets. La vérité n'est pas Quoi? toujours plaisante à croire. La baliverne, oui, même quand elle est inquiétante. Par exemple, l'idée qu'une élite cachée fomente un complot mondial pour réduire la population en distribuant des médicaments qui rendent les gens malades apporte une illusion de connaissance et de contrôle qui, ironiquement, est rassurante. Surtout si elle permet d'expliquer par une cause externe, la malveillance des comploteurs, nos propres échecs. Ouvrez les guillemets. Je ne suis pas dupe comme tous ces moutons. Je sais que les fours micro-ondes donnent le cancer. Fermez les guillemets. Quand le but de la baliverne est commercial, elle a toutefois intérêt à être positive, à promettre un avantage à celui qui va la croire. Avec suffisamment d'audace, on pourra par exemple faire fortune en vendant l'accès à une, ouvrez les guillemets, neurosagesse, fermez les guillemets, censée donner les clés du fonctionnement de votre cerveau afin de vous permettre de ne pas vous faire manipuler par autrui. Cette veine est exploitée par de nombreux personnages dont le talent réside dans la communication, qui savent susciter la fascination et œuvrent en définitive dans le secteur juteux et désordonné du, ouvrez les guillemets, développement personnel, fermez les guillemets. Mais je vais exploser, c'est juste le deuxième, ça? Oui. Alors, bon, les vérités, blablabla, les balivernes sont contraintes par leur activité. Donc, une forme de sélection darwinienne élimine les balivernes incapables de séduire. Donc là, bon, alors, outre le fait que le cadrage soit complètement surréaliste, enfin, vraiment, enfin, il y a une espèce de enfin, ouais, on donne vie, quoi. On donne vie aux balivernes. Hein. C'est vraiment des petites bestioles comme ça qui se baladent et Bonne qui soirée, sont Christophe. sélectionnées, quoi. Bonsoir, hygiène mentale. Donc, les plus répandus, les plus attractifs. Alors, les balivernes, la définition de la preuve sociale. Si tant de gens répètent cette baliverne, chacun d'entre nous peut la croire autant plus facilement. Non, 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 non. Donc, ouais, l'effet spectateur, c'est pas ça, genre. L'effet spectateur, c'est pas quand il y a par exemple quelqu'un qui se blesse et plein de personnes qui réagissent pas autour, t'as moins de remords à pas réagir ou Oui, quelque chose comme ça? oui, Ouais. oui. C'est pas pour genre la vérification d'une nouvelle. C'est pour un événement genre dans la vraie vie. Là, ce serait absolument pas un effet spectateur. Éventuellement, si ça devait mettre en jeu un biais, ce serait bah, plutôt un truc de popularité de base, de dire il y a plein de gens qui y croient, donc c'est sûrement vrai quoi. Mais ça n'a rien à voir avec un effet spectateur ici. Là, on est vraiment sur une espèce de bouillie de trucs scientifiques, sélection darwinienne, effet spectateur, comme ça. Il n'y a pas de source, mais en même temps, ça n'a juste aucun Là, sens, il y a quoi. zéro source dans ce paragraphe. Et Non, il n'y a pas de source dans ce accessoirement, paragraphe. il fait la confusion entre le fait qu'une baliverne ou on va dire une rumeur
ou une légende urbaine survit parce que les gens y croient et ils y croient parce qu'ils le répètent, en gros. Ils confondent les deux dans ce paragraphe. Oui. Et bah encore une fois, l'exemple des pastilles anti-vomitives de McDo, y a plein de gens qui le répètent sans y croire. Hein. Le monstre du Loch Ness aussi, enfin je sais pas, il y a plein de trucs, tu l'entends en soirée comme ça, tu demandes aux personnes qui te le disent, est-ce que tu crois à ces conneries? Bon, je sais pas. Donc déjà, rien que cette confusion-là, elle est un peu source, mon frère, je sais pas quoi. Mais oui, mais rien ne va. Et quoi? Ah, attends. Et là, quand le but de la bavière est commercial, elle a toutefois intérêt à être positive, à promettre un avantage à celui qui va la croire, mais du coup, c'est pas forcément positif. Si par exemple, on dit si vous détoxifiez pas votre foie, vous allez avoir des problèmes de santé, c'est un truc qui est absolument négatif, ça joue sur la peur. Ça promet un avantage, mais ça joue sur la peur, c'est un truc négatif. Ou même les mecs qui font de la fake news comme Alex Jones aux États-Unis qui ont leur boutique derrière Oui. où en gros ils font enfin ou même n'importe quel survivaliste qui vend son matos et qui te fait croire que le monde va péter genre dans quelques années, enfin je sais pas. Il y a rien qui est. Moi, j'ai envie de dire. Affirmation assez extraordinaire, affirmée sans preuve, donc bon. Mais Sans là, enfin, preuve, il même peut pas y avoir de ordinaire. preuves Donc, parce que c'est faux, en fait. C'est juste ça, là, il peut pas y avoir de preuves parce que c'est faux. En plus, c'est super ironique. La fin, c'est vraiment une pépite de. Avec suffisamment d'audace, on pourra par exemple faire fortune en vendant l'accès à une neurosagesse censée donner les clés du fonctionnement de votre cerveau afin de vous permettre de ne pas vous faire manipuler par autrui. comme les biais Genre en cognitifs. faisant un bouquin qui parle de biais cognitifs où il n'y a pas de source et où on raconte n'importe quoi. Genre, c'est chaud, quoi. Cette vie est exploitée par de nombreux personnages, blablabla, autant de risques de la communication, oui, c'est sûr. Mais c'est vachement. Enfin, là, c'est juste. Mais encore une fois, source, mec, crois-moi, quoi. Non, mais il y a. Enfin, c'est terrible, quoi. La sélection Darwin. Bon, ok, bon, c'est pas grave, on va passer au troisième, parce que là, c'est vraiment. En plus, c'est complètement tautologique, quoi. On va dire, ok, le principe de balivernes. Ah ouais, les balivernes. Enfin, ils se planquent derrière le fait que ce soit par définition. Mais du coup, on sait toujours pas ce que c'est que pour lui une baliverne, en fait. Là, il nous parle de balivernes efficaces, mais en fait, alors au début, il nous parlait de balivernes, c'était des trucs faux. Ensuite, il nous dit que c'est des trucs viraux. Alors, ouais, plus ou moins, du coup. Ça dépend ce qu'on entend par viralité, c'est pas vraiment défini. Alors, en même temps, le principe narratif, le premier truc, c'est que c'est un énoncé facile à retenir, la baliverne. Et le principe d'attraction, le deuxième truc, c'est que elle est efficace, c'est parce qu'elle va être retenue. Il fera un Donc. récapitulatif un peu plus loin, donc on pourra. Ok, ouais, ok, Voilà. d'accord, ok, ouais, on va faire ça, On va ouais. faire ça. Et j'en profite juste parce que Plantophage demandait et Lou a répondu. Alors vous faites les commentaires que vous voulez sur le texte dans le chat, tant que ça vire pas au pugilat et que vous êtes à peu près. Enfin, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de sa manière d'écrire, tant que ça reste, on va dire, cordial. bon, j'ai déjà dit aussi ce que je pensais du. Et Sunomis, bonsoir Sunomis, nous dit ça ressemble vaguement à du Dawkins remâché cette partie. Eh bien, je t'invite au moment où on le fera à venir écouter le chapitre 3. Tu ne seras pas déçu. On continue? Allez. Continuons. Alors, principe de résilience. Il est court celui-là en plus. Alors, une fois qu'elle est dans un cerveau, une baliverne va interagir avec son environnement cognitif. Les balivernes les plus puissantes vont contaminer les autres propositions, transformer leur apparence ou leur place. La baliverne s'incruste dans le paysage, devient partie prenante de notre représentation du monde, et toute attaque contre elle est perçue comme une attaque contre notre personne. Les balivernes les plus puissantes hackent, en italique, notre immunité cognitive, pardon, et retournent notre intelligence contre les arguments qui l'attaquent. C'est typiquement ce qui se passe avec les théories du complot. Ouvrez les guillemets. La NASA a nié avoir des enfants esclaves sur Mars. Cette déclaration officielle est exactement ce qu'on attend d'une agence qui aurait bel et bien des enfants esclaves sur Mars. Fermez les guillemets. Les tentatives de démystification peuvent s'avérer contre-productives car nous avons tendance à retenir certaines informations tout en oubliant le contexte dans lequel nous les avons croisées.
Par conséquent, répéter une information dans le but de montrer qu'elle est inexacte, c'est courir le risque de la promouvoir malgré soi. C'est d'autant plus risqué que le biais de familiarité nous incite à croire les énoncés répétés davantage que ceux que l'on ne croise qu'une seule fois. Pour une fois, ça se finit avec une source. Qui est un article de Sawyer, Ecker et Lewandowski, The Role of Familiarity in Correcting Inaccurate Information, dans le Journal of Experimental Psychology. Article de Donc c'est sourcé. Cette dernière phrase est sourcée. Oui. C'est cool. La dernière phrase est sourcée. C'est bien, parce qu'en plus cette phrase est correcte. C'est peut-être la seule phrase qui est correcte dans le paragraphe. Du coup. Une fois qu'elle est dans un cerveau, une baliverne va interagir avec son environnement cognitif. Ça ne veut rien dire en fait. Là, on est vraiment sur une espèce de réification du truc. Genre, enfin, là, c'est juste. Il n'y a même pas d'article qui va réfuter ça de façon explicite, tellement ça n'a aucun sens d'un point de vue scientifique en fait. Genre, là, c'est vraiment. On est sur le dernier degré de la biologisation de ce que c'est qu'une information ou une pensée, quoi. Genre vraiment, voilà, c'est exactement comme ça a été dit, hein, c'est confondre baliverne et bactéries, quoi. Genre là, c'est vraiment, elles ont une vie, une existence propre, elles font notre vie dans le cerveau, elles contaminent, machin et tout, enfin... Après, comme le dit Bunker, il y a des théories pour parler de... Alors si je comprends bien Bunker, tu me corrigeras, mais c'est pour parler de... Oui, c'est les core values. Oui. Mais en gros, c'est valable pour toutes les croyances, en fait. Ça vient juste dire que l'ensemble des croyances qu'on a s'articulent les unes les autres et se renforcent les unes les autres, mais c'est pas spécifique à des croyances particulières qu'on appellerait balivernes, quoi. Oui, et en plus, dans la théorie des core values, c'est pas nécessairement des valeurs fausses. Et en plus, quand c'est des interactions entre les différentes croyances, etc., les balivernes ne sont pas nécessairement des croyances centrales dans nos vies, quoi. Typiquement, le monstre du Loch Ness, on peut s'en foutre, quoi. Et on peut dire, bah ok, ah oui, on m'a dit le monstre du Loch Ness, ah bon, bah tu me dis que non, bah ok. Et là, vraiment, le fait de dire, voilà, la baliverne s'incruste, machin, on est vraiment sur un côté, genre, c'est la maladie infectieuse, quoi. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Oui, ça peut devenir partie prenante de notre représentation du monde, effectivement. Mais c'est pas nécessaire du tout que toute attaque contre elle soit perçue comme une attaque contre notre personne. C'est juste pas vrai, en fait. Alors après, source. Ouais, source, il y en a pas. Mais à mon avis, c'est aussi une manière de pour lui là d'expliquer ça. Enfin, il explique sa manière de percevoir le truc et de justifier le on attaque les croyances et pas les personnes, et de justifier le fait qu'on lui réponde à des volets de bois vert en disant techniquement vous attaquez les personnes parce que c'est elles qui portent des croyances, quoi. Mais là c'est même pas ça. Bah je sais pas, sinon je vois pas pourquoi, enfin je vois là, effectivement il parle pas de trucs à quoi ça lui sert. Et après il parle d'immunité cognitive, mais ça pareil, c'est genre de la bouillie scientifique, enfin ça ne veut rien dire. D'immunité cognitive, ça veut rien dire. Les théories qui parlent d'immunité cognitive, d'une part elles sont extrêmement discutées, parce que c'est un modèle qui a quand même des grosses lacunes. Et d'autre part, genre, on va pas dire ça, quoi. Retourne notre intelligence contre les arguments qu'il attaque, c'est genre. Enfin... Ensuite, la fin du paragraphe est vraie. Là, pour le coup, ok. Les tentatives de démystification peuvent s'avérer contre-productives, nanana. Bon, alors le car, nous avons tendance à retenir, je vois pas le rapport entre les deux, mais c'est pas grave. Par conséquent, répéter une information dans le but de montrer qu'elle est inexacte, c'est courir le risque de la promouvoir malgré soi. Venant d'un sceptique, c'est quand même hyper ironique d'écrire un truc pareil. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que je me suis déjà fait la réflexion une fois qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi aujourd'hui considérées comme des, on va dire, des charlatans, ou je sais pas, au pif, Jacques Grimaud ou Idrissa Berkane, dont j'ai le plus entendu parler par la communauté sceptique. Bah oui, clairement. Donc en fait, là, il est juste un petit peu en train de dire, ouais... Normalement, ne faites pas ce move si vous n'êtes pas un professionnel extrêmement souple. Et moi, j'ai un peu, enfin, je me dis que là, il est juste, enfin, il dit juste que il faut faire très attention à l'exposition à ce qu'il appelle les balivernes et à ce genre d'idées, parce que justement, c'est résilient. Et une fois que quelqu'un la chope,
c'est difficile de la faire sortir, ce qui est normal, enfin, avec toutes les croyances. Mais de toute c'est façon. pas une maladie vénérienne, Non, en c'est pas une fait, maladie vénérienne, mais ça, les c'est fausses sa description du nouvelles. truc. Mais sauf que c'est. Mais Et. ça fonctionne pas comme ça, genre. Ben, gros cerveau nous pose la question, bonsoir gros cerveau, si notre lecture n'est pas trop rigoriste ou littérale. Ben. En fait, moi, justement, en tant que scientifique qui travaille sur ce genre de questions, j'essaie d'en avoir une lecture un peu rigoureuse. Genre, c'est quoi le contenu qu'il y a derrière, en fait? Et donc là, le contenu qui est derrière, il est juste. En fait, donc ça, c'est un point, c'est une bonne question. Il faut un peu, c'est un truc un peu à expliquer. Là, on a dépassé, il y a très très longtemps, le stade de la simple métaphore, en fait. Là, on est vraiment tout son champ lexical. Il est biologisant, il est médicalisant, il est épidémiologie, machin, etc., quoi. Tout son champ lexical, c'est ça, en fait. À des degrés quand même vraiment plus que hyper avancés. Enfin, là, c'est vraiment au stade terminal, quoi. Quand on est sur le truc, voilà, ça, on va contaminer l'immunité cognitive, machin, on est vraiment, c'est genre le registre entier biomédical. Ça, c'est juste une idée fausse, en fait. C'est une idée fausse sur ce que c'est que un énoncé faux ou ce que c'est qu'une fake news, etc. En fait. Juste l'emploi même de ce registre, c'est déjà diffuser quelque chose de faux. De base. Sans compter le fait qu'il n'y ait pas de source sur des énoncés qui soient quand même, qui sont quand même très 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 douteux, voire trivialement faux. Là, c'est pas juste une lecture rigoriste, ni une lecture littérale. Là, c'est juste qu'il y a vraiment des gros soucis, en fait. On est vraiment sur de la bouillie scientifique, quoi. Ouais, On c'est utilise pas un de vocabulaire scientifique. Ouais, vas-y, pardon. la c'est pas de l'approximation que nécessite la vulgarisation là. Non, là c'est pas, là on n'est pas du tout sur l'approximation qui serait. C'est peut-être intéressant. Encore, il préciserait, voilà, enfin, il préciserait que c'est une analogie, il préciserait que voilà, c'est pour bien comprendre, etc. Que ça fonctionne comme, on pourrait dire bon, c'est maladroit, mais ok. Là non, là il n'y a aucune précision. Les balivernes les plus puissantes hackent notre immunité cognitive, quoi. Là on est vraiment à 200% dans le truc en mode. Là, c'est plus du tout une analogie, là, c'est de la réification de base, quoi. Comme le dit Bunker, c'est pas juste une allégorie qu'il fait, c'est un modèle qu'il propose. Oui, c'est ça, il Ouais. propose des principes, quoi. On est vraiment sur ça. Il C'est propose un parfaitement. modèle, il propose des principes, il propose, oserais-je le dire, une science des balivernes, quoi. Sauf que là, c'est pas du tout une science, là, on est sur vraiment de la bouillasse scientifique, quoi. Et y a pas de mal, gros cerveau, t'inquiète. Ça me rappelle sa vidéo sur le rasoir de Clean, nous dit Face Café. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et bonsoir, Kiraananas. C'est Voilà. bon. Je te propose de continuer parce qu'avec ça, Allez, vas-y. on en aura Oui, on fini n'avance avec le pas beaucoup. modèle Nara, effectivement. Alors, ce que je te propose, c'est que je peux mettre le principe d'asymétrie et lire le résumé en dessous, histoire qu'on commente les deux d'un coup, si ça te va. Je suis pas Allez, trop long. vas-y, Comme go. ça, on finit avec le modèle Nara. Tac, tac, je reprends. Donc, dernier principe, le principe d'asymétrie. L'avantage de la baliverne est qu'elle n'a pas besoin d'être vraie. De cette lapalissade découle qu'on peut en générer une grande quantité en peu de temps. Une explication véridique, sourcée, argumentée, ne pourra pas être formulée aussi vite. Ouvrez les guillemets. La réfutation d'une baliverne demande un temps d'un ordre de grandeur supérieur à celui qu'il faut pour la produire. Fermez les guillemets. Alberto Brandolini, Twitter, 10 janvier 2013. On a une source. La chose est connue depuis longtemps. Ouvrez les guillemets. Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité met à mettre ses chaussures, fermez les guillemets, disait déjà Mark Twain. Quelques exemples de balivernes. Ouvrez les guillemets, la Grande Muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune, fermez les guillemets, est une magnifique baliverne, inoffensive, percutante et facile à placer dans la conversation. Ouvrez les guillemets, la Terre est plate, fermez les guillemets, est une baliverne moins efficace, car elle rencontre une résistance beaucoup plus grande, suscite même le ridicule, et de ce fait, représente une désirabilité sociale de valeur moindre. Ouvrez les guillemets, les vaccins causent l'autisme, fermez les guillemets, est une baliverne très chargée en affect,
souvent associée à des anecdotes, à des récits de famille ayant fait l'expérience de ce lien supposé, ce qui suscite de l'empathie. Ainsi, chacun peut éprouver le besoin de transmettre cette baliverne afin de protéger des enfants contre un danger potentiel. Participe souvent à la désinformation, même la plus dangereuse, avec pour motivation de bons sentiments. En résumé, le modèle NARA. Le principe narratif, la baliverne fait toujours une belle histoire à raconter. Le principe d'attraction, la baliverne qui circule plaira toujours à quelqu'un, ce qui n'est pas garanti pour la vérité. Le principe de résilience, la baliverne pirate le système immunitaire de notre esprit, nous nous employons à la défendre. Le principe d'asymétrie, il faut beaucoup plus de ressources pour réfuter une baliverne que pour l'énoncer. La baliverne qui émarge ces quatre principes a toutes les chances de se diffuser beaucoup plus efficacement qu'une information véridique. Mais... Voilà. Ok. Alors en fait là déjà il y a un truc qui me questionne sur une démarche scientifique hein, justement puisqu'il veut nous parler de science des balivernes quoi. C'est qu'en fait donc là il nous parle des principes d'une baliverne efficace. Manifestement. Alors, c'est le dernier la dernière phrase. Hein. La baliverne qui émarge à ces quatre principes a toutes les chances de se diffuser beaucoup plus efficacement qu'une information véridique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des balivernes qui n'émargent pas à ces quatre principes. Donc oui, oui. Les quatre principes ne sont pas les trucs qui définissent ce que c'est qu'une baliverne. Mais du coup, ma question est, c'est quoi une baliverne? Si c'est juste un énoncé faux, c'est genre problématique parce que du coup, quasiment tout devient juste circulaire. L'avantage de la baliverne est qu'elle n'a pas besoin d'être vraie. Si sa définition opératoire de baliverne, c'est énoncé faux, l'avantage d'un énoncé faux, c'est qu'il n'a pas besoin d'être vrai. Bon, oui, effectivement, c'est de la palissade. Et bon, la loi de Brandolini, bon, très bien, hein, oui, ok. Ok, on cite Mark Twain, ça fait sérieux. Mais du coup... Donc c'est une baliverne inoffensive, percutante, elle est placée facile. Du coup, typiquement, voilà. La Grande Muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune. Donc c'est une magnifique baliverne, elle est inoffensive, percutante et facile à placer dans la conversation. Reprenons le principe de résilience. Est-ce que vraiment ça va s'insérer dans notre... c'était quoi son truc ? Notre environnement cognitif. Genre c'est un fait, c'est un fun fact, qui est faux. C'est un fun faux fact. Mais qui est complètement, c'est ça, mais qui est complètement isolé en fait. Et encore une fois, pas sourcé ni rien. Et puis d'ailleurs aussi. Ah oui, non, bon, y a pas de source, mais ça c'est. Dans le principe, il nous rappelle le principe d'attraction en disant la baliverne qui circule plaira toujours à quelqu'un, ce qui n'est pas garanti pour la vérité. Bah, je croyais que juste avant il disait l'avantage de la vérité, c'est qu'on la cherche. Mais oui. Donc c'est bizarre. Et quelqu'un le faisait aussi remarquer dans le chat. Mais oui, c'est difficile déjà de trouver une cohérence. Je sais pas. Mais... Non mais en fait, il n'y a pas de cohérence. Mais là, typiquement, ouais. Voilà, la Grande Muraille de Chine, blablabla. Donc, alors, elle ne satisfait pas le principe. Donc, c'est censé être une magnifique baliverne. Dans cet exemple-là. Dans le principe d'asymétrie. Dans le principe de résilience, ça marche pas. Parce que ça interagit avec rien de notre environnement cognitif. Genre, c'est vraiment un fun fake fact, mais qui n'a aucun intérêt. Et qui est complètement déconnecté de plein de trucs. Ça n'interagit vraiment absolument pas en termes de principe. Non, c'est lequel ? De principe narratif fort en émotion. Oui, tout le monde s'en fiche. On s'en fout, quoi. Enfin, violence, colère, dégoût, injustice, les émotions fortes, négatives, machin, quoi. Éventuellement, on va se dire ah ouais, fun fact. Moi, mais c'est pas une émotion forte, ça. J'ai les boules qu'elle soit plus petite que la Tour Eiffel, tu vois. Bah ouais, non mais voilà, mais enfin non mais vraiment, tu vois, vraiment, c'est pas sérieux. Je veux dire, sa magnifique baliverne qui prend en exemple 4, c'est juste, elle ne satisfait aucun des trois principes précédents en fait. Et même la suivante, quand il dit que la Terre est plate, c'est une baliverne moins efficace et elle attire le ridicule, bah ça fait un siècle qu'elle tourne c'est une croyance tenace, et contrairement à ce qu'il dit, justement, c'est un peu un contre-exemple, du coup.
j'ai envie de dire. Non mais enfin oui, parce que juste ça soit complètement sur tous les intérêts, enfin toutes les façons de croire à des trucs différents, et aussi parce que les trucs sont différents en fait. Oui. Ils considèrent que la grande muraille de Chine, la seule construction humaine visible depuis la Lune, et la Terre est plate, c'est des trucs qui sont de même nature, mais c'est juste pas vrai en fait. Le ben premier, non. On n'a pas besoin d'un complot pour le justifier. On peut juste dire, bon voilà, that's a fact, ok, bon, on le croit ou on le croit pas, en l'occurrence c'est faux, donc vaut mieux pas le croire. Bon, fin de l'histoire. Et c'est tout. La Terre est plate, ça suppose qu'il y a un complot de gens qui disent qu'elle est ronde, alors qu'en fait non, machin, pourquoi, ça suppose des motivations, etc. Nécessairement, c'est un truc qui est autrement plus complexe, en fait. On ne peut pas... Et oui, Lydie, hein, le côté avantage évolutif, blablabla, effectivement, on est dans un cadre complètement assumé. Non mais oui, les principes, les quatre principes ne caractérisent pas les balivernes. Ils sont censés caractériser les balivernes efficaces. Bon, sauf que là, l'exemple de la Grande Muraille de Chine, c'est censé être une magnifique baliverne, ne satisfait aucun des trois premiers principes, d'une part. Et d'autre part, on n'a toujours pas de définition de ce qu'est une baliverne. Il nous a donné une liste d'exemples au tout début, de trucs faux, de différents ordres, absolument pas comparables les uns avec les autres, mais ça ne nous donne absolument aucune définition de ce que c'est qu'une baliverne. Donc c'est mal barré, si on veut faire la science des oui, définition opérationnelle, un truc qui fonctionne, quoi. Mmh. Un truc où on sait de quoi on parle, en fait. Parce que si juste une baliverne, c'est un énoncé faux, bah ça fonctionne pas. Rien de ce qu'il dit ne fonctionne, en fait. Le ciel est vert, c'est enfin, je pense pas que ce soit un truc qui corresponde à ces trucs-là. Pourtant, si c'est juste un énoncé faux, bah, ça rentrerait dans une baliverne. Il n'y a aucun travail définitionnel qui est noté. Pour un truc qui s'appelle la science des balivernes, c'est juste absurde. Disons que ça pose le cadrage, et je le dis tout de suite, il va s'en servir, enfin, je peux dire, on ne le reverra pas beaucoup dans le reste du livre. C'est ça qui est assez drôle. Je casse un peu le truc, mais tu auras tout le temps de... Rappelez-vous-en, vous ne le reverrez pas. Mais tant mieux, du coup. Dans un sens, c'est bien, hein. Je suis plutôt contente de ça, quoi. Ouais, mais bon, c'est bizarre d'y consacrer un chapitre entier d'introduction, quoi. Ouais, bon. Ah, il nous pose vraiment un modèle comme un truc... Mais il n'y a qu'à aucune source, quoi. Genre, il le sort d'où, ce truc? Bon, passons, c'est pas grave. Ouais, je veux même pas savoir d'où. Non, mais on a vu deux articles sur les quatre principes narratifs qu'il a sortis, en justifiant ces quatre trucs avec pas grand chose. Non, parce qu'il y a un bouquin aussi de vulgarisation. Oui, mais moi j'ai des bouquins de vulgarisation, ils ont 70 sources par chapitre, c'est pas un problème. Je crois qu'il y a trois. Non, il y a trois articles. Il y a trois articles et un bouquin de vulgarisation. Leaser, Mercier, Sawyer. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, y en aura deux en plus. C'est ça. Et ce sera pour le reste. Et un tweet, mais oui, bon, ça... Alors, on poursuit. Ah bah, est-ce que tu veux reprendre la lecture ou est-ce que... Allez, vas-y, c'est parti. Les balivernes sont faites pour durer. Grâce aux quatre principes ci-dessus, la baliverne jouit d'une temporalité avantageuse. Une information peut devenir virale avant qu'un filtre adéquat ait pu être mis en place. Alors on est vraiment sur de l'immunologie là. Avant qu'un filtre adéquat ait pu être mis en place. Filtre de quoi, genre. Ainsi, on a vu fleurir en quelques heures des milliers de commentaires soupçonneux sur les réseaux sociaux au sujet de la couleur du rétroviseur de la voiture utilisée par les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Pire, la presse professionnelle en italique, s'est emballé en répétant l'annonce infondée de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu en 2011, le 17 octobre 2019. Aucun rapport avec débit cognitif, en l'occurrence, le truc de presse professionnelle qui s'est emballé, bah oui, c'est parce que le fonctionnement du système médiatique est comme ça, parce que ça fonctionne sur des brèves et des médias qui se relayent les uns avec les autres. Ça n'a absolument pas de rapport, la presse professionnelle et le débit cognitif. Passons. Les chercheurs qui étudient nos usages arrivent à la conclusion que les contenus faux, hoax et rumeurs, pénètrent en moyenne 6 fois plus vite et plus loin sur Twitter, et probablement dans les autres sociaux numériques, que les messages véridiques. Alors faut, tout de suite je vous le dis, faut vraiment se méfier de ce genre d'études. D'une part parce qu'elles sont certainement mal citées, je suis à peu près certaine que si on regardait cette étude-là en détail, elles ne diraient pas de façon aussi lapidaire ce que M. Durand essaie de lui faire dire là.
d'une part, et d'autre part, souvent au niveau méthodologique, c'est compliqué, ce genre de choses, à vraiment mesurer proprement, et du coup, il y a des biais extrêmement massifs dans ce genre d'études. Donc, méfiance. Sur les réseaux, la baliverne est plus efficace que l'histoire vraie dans tous les domaines. Business, terrorisme, guerre, science et technologie, divertissement. Mais son terrain de prédilection est la politique. Elle est en moyenne retweetée 70 fois plus que les informations fiables. Les auteurs de l'étude de 2018, dont sont tirés ces chiffres, précisent que ces effets ne sont pas dus au traitement informatique des données, mais bel et bien à nos comportements. Cela aurait à voir, disent-ils, avec la nature humaine. Alors clairement, un auteur scientifique qui parle de nature humaine, genre on prend l'article, on le met à la poubelle, on prend la poubelle, on la met dans un broyeur, on prend le broyeur, on le met dans un incinérateur. Non, justement, ça me fait penser, il faut qu'on aille voir l'article, parce que ça va me permettre de parler d'un truc. Donc c'est le Vosugi et Roy et Harald, désolé si j'ai mal prononcé les noms, je vais... Attends, quoi ? Vosugi, il écrit pas ça normalement. Non mais justement, c'est pour ça, il faut qu'on aille voir. Ah, parce que Vosugi, il écrit pas ça. C'est un auteur que je connais, je cite. Oui, donc ce sera, c'est très intéressant. Ouais, c'est l'article de Science, The Spread. Of True Interests Online. Exactement. Ouais, donc, le Vosugi, Roy et Harald, vous retombez dedans. Et Attends, on va mettre le lien. Ah, j'arrive pas à sélectionner le texte. Hop. Donc la référence est celle-ci. Oui, et je crois que l'article est en accès libre en plus, pour une fois. Merci Science, des fois ça leur arrive. Ah oui. Alors, faisons un peu de recheck des sources. Je vous le mets. Sur les sources. Bunker D l'a mis dans le chat. Ah, Bunker D l'a mis. Yes. Merci Bunker D, tu es au top. Oui, c'est gore, on dit sec. C'est terrible. Et, Alors, amplification des news comme vrai ou faux. Oui. Et je crois que c'est justement Human Attention, Human Judgment, Human Retweet. Du coup, qui not robot, Human Judgment, Human Judgment. Et il nous dit, ouais, effectivement, jamais Human Nature. Oui, et c'est... C'est parce que c'est des humains et pas les robots, donc c'est pas les algorithmes qui ont plus spread la nouvelle. Mais ce qui est important, c'est juste avant la phase de remerciement, donc les acknowledgements de l'article, il écrit, je cite, Oui, alors nous concluons que le comportement humain contribue plus au différentiel de spread, de diffusion, de la fausseté et de la vérité que le comportement automatisé des robots. En fait, je crois que il a mal traduit human behavior par nature humaine. Ah. J'avais regardé l'article et c'est l'interprétation la plus charitable que j'avais trouvée. Human behavior se traduisant par comportement humain et absolument pas par nature humaine. On parle bien de human nature en anglais. Oui. Bah oui, non, ça n'a rien à voir. Donc oui, donc là, on est typiquement, il y a aussi Human Endeavor, mais qui est pas non plus, ça ne se traduit pas par Human Nature, et si on tape Human Nature, on ne le trouve absolument pas dans l'article. Et même si on tape, je crois, Nature, on ne le trouve pas non plus, à part dans une des sources qui vient du journal Nature et qui porte Nature dans le titre. Mais il y a deux sources, il y a Nature of Emotion et l'autre c'est Nature of Human Altruism. Mais à la limite, ça parle pas de human nature, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une mauvaise traduction. Et oui, ça m'avait interpellé parce que je sais que cette traduction, le niveau, je crois que le niveau d'anglais de Thomas Durand n'est pas très fiable par rapport à ces traductions francophones. Mais en fait, moi, je suis en train de regarder l'article un petit peu. Et en fait, l'article, il dit absolument pas. Enfin, c'est ça le problème avec ce genre d'article, des grosses études quantitatives comme ça, c'est que on voit que c'est viral, mais on a absolument aucune idée de comment ça a été partagé, en fait. Donc, si ça se trouve, il y a une grosse partie des partages qui ont été faits en disant bah non, c'est faux, ou en disant waouh, c'est complètement con, etc. En fait. Donc, c'est quand même pas bon. Ce serait à discuter. Il faudrait regarder vraiment un peu en détail le. Alors, on a beaucoup de quantitatifs, mais bon, ça. Je vais essayer de bouger mon micro, je reviens. Oula. Désolé. C'est un peu tout neutre.
Donc pas de nature Désolé. humaine. Désolé, désolé, père. Donc poursuivons la suite de ce paragraphe. Donc la nature humaine, donc pas la nature humaine. Et bonsoir, Rémi. Bonsoir. À ce triste constat, la réponse ne peut être la censure. Toute forme de censure semble en effet admettre que le contenu des balivernes serait gênant pour le pouvoir, pour l'ordre établi. Il rend l'énoncé interdit d'autant plus alléchant. C'est le seul problème qu'il a avec la censure. Je ne vais pas commenter cette phrase. Il serait illusoire d'espérer empêcher les balivernes de circuler vite ou pouvoir construire des filtres à toute épreuve garantissant que la population ne sera pas exposée à des informations vérolées. En réalité, nous n'avons jamais cessé d'être soumis à diverses formes de propagande, de mensonges et de récits idéologiques. Il ne faudrait pas faire semblant de découvrir le phénomène une fois qu'il se répand et devient l'arme d'idéologie non étatique. Les balivernes, foutaises et idéologies dangereuses continueront d'atteindre le public. Un Mondrian, c'est ma voix de lecture normale. Hein. Y a pas de... Je lis comme ça, tu vois. Je confirme. merci, voilà. Alors non mais juste avant, parce que là il faut jouer après. Donc bon, à part le fait que ce soit sa seule façon de son seul argument contre la censure, ce soit que ce serait de leur donner raison, c'est clairement pas un bon argument. Il serait illusoire d'empêcher les bandits de circuler plus vite. En réalité, nous n'avons jamais cessé d'être soumis à diverses forces de propagande. Oui, c'est vrai. C'est à noter, c'est vrai. Il ne faudrait pas faire semblant de découvrir le phénomène une fois qu'il se répand et devient l'arme d'idéologie non étatique. Oui. C'est vrai aussi. Mais du coup, quid de la propagande étatique? Bah, il y a... Enfin... Ouais, pour le coup, je sais pas quoi dire. Enfin, c'est genre, oui, ok. Enfin, ouais, je peux lui accorder. Oui. Il y a pas grand chose à commenter, hein, parce qu'il. Non, c'est vrai. Le côté toute forme de censure semble en effet admettre que le contenu des balivernes serait gênant pour le pouvoir, pour l'ordre établi, machin. Bah, encore une fois, ça dépend de quoi on parle aussi. Alors, oui, effectivement, la taille de la muraille de Chine visible depuis la Lune, enfin, personne va censurer ça. Je sais pas. Désolé, voilà, on passe une nouvelle loi. Il est interdit Elon de Musk dire... ne veut pas savoir, ne veut pas que vous puissiez savoir que Starlink voit la muraille de Chine. Non, sérieusement, enfin, non, ça n'a aucun sens. Mais non, mais voilà, enfin, effectivement, ça vient du fait que son truc de baliverne de base soit tellement mal défini qu'en fait, il va pouvoir dire. Mais là, pendant tout le bouquin, il va pouvoir dire n'importe quoi en fait. Bah, il n'a jamais défini ce que c'est qu'une baliverne. Donc pendant tout le livre, il va pouvoir dire n'importe quoi sur ce que c'est que les balivernes. Si je remonte un petit peu dans le chat, je crois que Bunker nous a mis un extrait pour rappeler que, citation, le cœur du livre concerne le bullshit que l'on peut traduire par baliverne, des énoncés dont la production et la diffusion n'ont finalement pas grand-chose à voir avec leur véracité, mais bien plus avec leur dimension socio-psychologique. Alors apparemment oui, on a peut-être été injuste parce que ce serait là. Alors je sais plus exactement d'où vient cette citation exacte. Je me rappelle pas exactement. Là. On l'a lu. On a dit fake news. Au début, ouais, on l'a lu au début. Ah oui, peut-être. C'est toi qui l'as peut-être lu. J'ai dû. Ouais. Le cœur du livre qu'on voit effectivement, c'est page 13. Oui. Que l'on peut traduire par baliverne, des énoncés dont la production et la diffusion n'ont finalement pas grand-chose à voir avec leur véracité, et bien plus avec leur dimension socio-psychologique, mais oui. Mais ça veut tout et rien dire, en fait. Enfin, ça, typiquement, tout ce qu'il a écrit sur les principes sont tautologiques, du coup. Et un énoncé qui est produit et diffusé sans qu'il soit vrai, oui, ça, s'il est diffusé, c'est qu'il est diffusable, quoi. Wow. Et ça, surtout, ça restreint pas du tout la définition à des énoncés qui seraient particulièrement faux par rapport à des énoncés qui seraient particulièrement vrais. Hein. En plus... Il dit que la diffusion n'a rien à voir avec la véracité, mais bien plus avec la dimension socio-psychologique. Ça n'empêche pas un énoncé vrai d'avoir la diffusion d'un énoncé vrai
d'avoir plus à voir avec sa dimension socio-psycho que sa véracité. Donc en fait, ça nous amène pas à grand chose. Oui. c'est du travail de cochon en termes de travail définitoire, c'est vraiment ce qu'on enfin, on peut pas dire ça quoi. Donc, typiquement, même si c'était, enfin, typiquement, il part du principe que c'est faux. En plus, enfin, dans son truc là, sa définition qui est donnée là, au tout début du bouquin, elle ne dit pas que c'est faux. Elle dit que ça n'a rien avec la véracité. Mais juste après, on est tout de suite sur voilà, c'est faux, ça hijack notre système cognitif, ça vient, blablabla. Là, la suite. Voilà, les balivernes foutaises et idéologies dangereuses continueront d'atteindre le public. Mmh. On est vraiment sur un cadrage qui est hyper négatif, alors qu'en fait, sa définition initiale n'est pas du tout comme ça. Donc soit sa définition initiale elle est mauvaise, soit c'est pas cohérent, soit les deux. Mais, et comme le précise aussi Bunker, ça exclut des énoncés faux motivés par la recherche du vrai aussi. Oui. Ou des énoncés qui seraient des approximations de la vérité, ou des énoncés genre les rayons N. Bah, je sais pas ce qu'il en dit, j'ai pas encore lu le chapitre non plus, mais par exemple, ou les théories... Sciences. C'est mal parti. Hein. Et puis ça sous-entend, effectivement, quand il prend l'exemple des rayons N, alors effectivement, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais les rayons N, c'est... Non, mais je peux dire ce que j'en sais rapidement, que c'est un faux positif de découverte pendant un moment où on a cru avoir découvert un truc qui ressemblait au rayon X, qu'on a appelé rayon N pendant un moment parce qu'on était excité par la découverte, et puis en fait, c'était pas grand-chose, quoi. Je me rappelle plus exactement les détails, mais voilà. Mais est-ce que c'est vraiment comparable à son exemple de la Grande Muraille de Chine et du monstre du Loch Ness, quoi ? Mais pas du tout. Je ne crois pas. Non, déjà aussi parce que le terrain de la disputation scientifique et des articles, oui, il y a des conneries dedans, mais c'est pas comparable à ce qui est aux légendes urbaines dont il se sert d'exemple pour introduire le livre. Donc on verra ce qu'il en dit. Encore je sais pas. Heureux. Encore heureux, oui. Mais qu'est-ce que ça dit sur sa définition de la baliverne encore une fois quoi. Ça pas grand. Elle est effectivement pas opérationnelle. Bon bah c'est bien bon. Ça. On est bien parti. Le livre il commence bien. C'est super, vraiment génial. Merci alors... à toutes et à tous de nous accompagner dans ce périple dans les profondeurs de l'esprit humain. Alors comme on a plein de commentaires dans le chat, on va pouvoir essayer de vous lire un petit peu avant d'attaquer la dernière partie, je pense, du chapitre. Oui. Ou par exemple, Hygiène Mentale nous dit « Les exemples donnés ne sont pas vraiment des balivernes, entre guillemets, au sens de bullshit, entre guillemets. Il me semble que les vaccins causent l'autisme a vraiment à voir avec la vérité pour ceux qu'ils disent. » Du coup, ça veut dire que si lui, il part de balivernes au sens de bullshit... ça colle pas avec la définition. Enfin, on redonne sa définition, on va la redonner. Des énoncés dont la production et la diffusion n'ont finalement pas grand chose à voir avec la vérité. Ce qui est par ailleurs une définition un peu bizarre de bullshit, qui je crois aussi peut être définie comme du baratin au sens de ce qui fait juste plaisir à l'oreille de l'interlocuteur, indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté. C'est pas forcément en rapport à la diffusion. Si c'est ça que tu veux dire, Christophe, vu que tu dis que c'est des trucs qui ont à voir avec la vérité pour les gens qui les propagent. Et Wolf Superplay nous dit pourtant les vaccins qui donnent l'autisme, c'est aussi dans les revues scientifiques. Non, alors non, ça a été un scandale de publication, mais le seul article qui en parlait a été rétracté et amendé. Pour le coup, il y a suffisamment de contenu pour rappeler cette histoire-là. Et Wakefield a même perdu le type à l'auteur du seul article qui a pu être cru à un moment sur cette histoire-là, a même perdu sa licence de médecin. Donc, Ouf. Rude. Mais ça s'est diffusé, ça fait très mal. Ça fait encore très mal par rapport à la santé pour les questions de santé publique. Mais bon, on peut pas dire que ça a jamais été vraiment cru, en tout cas ni par le personnel médical ni par les gens qui... quand je dis le personnel médical, on va dire consensus médical à la grosse pour ce que ça veut dire. Mais non, ça n'a pas mis très longtemps à être éclaté. Hein. C'est juste que effectivement, c'est plus dur de... Ça, c'est vrai, c'est plus dur de dire qu'une information a été contredite. De toute façon. On...
On nage de toute façon un peu dans le flou de base, avec une définition qui n'est pas opérante du tout. Et des exemples très mal choisis. Et enfin, surtout qu'en plus la définition n'est pas opérante, et même si la définition qu'il donnait elle était opérante, ce qu'il utilise derrière comme définition, ça dépasse ça. Typiquement, le fait qu'il donne que des exemples de trucs qui soient faux, ça montre qu'il suppose qu'une baliverne c'est faux. En même temps, il a appelé ça baliverne, donc c'est normal. Il aurait appelé ça baratin, typiquement le baratin c'est déjà un peu moins un truc de faux, immédiatement. J'espère qu'il n'a pas appelé sa baliverne par haine envers un certain docteur Baratin. Non, enfin, c'est vraiment. Enfin, c'est juste. Là, on est dans un espèce de truc. On navigue dans le flou complet. Parce que. En plus, ça a été dit un peu dans le chat. Ouais, alors il y a les trucs de. Il parle des les quatre principes, c'est sur les balivernes efficaces. Mais du coup, ça veut dire quoi? Enfin, c'est genre efficace par rapport à une diffusion, mais genre. Enfin, alors, un Mondrian me corrige, il dit que c'est un journaliste qui a inventé le truc de Wakefield, ça n'a pas été contesté efficacement par son champ. Tu dois avoir. Alors, je viens de croire parce que j'ai pas révisé mon scandale des vaccins et de l'autisme depuis un moment. Il y a les. Alors, si vous parlez anglais, il y a les super vidéos de Edgebomber Guy sur la question. Wolf Superplay nous dit que t'étais généreux, seulement 2 ans de publication, c'est long. Pour le coup, pour un scandale de publication scientifique, c'est pas très long. On n'est pas sur la queue longue des scandales qui mettent du temps à être découverts. Surtout dans le secteur médical. Il y en a, alors je sais plus, des histoires d'études falsifiées sur des problèmes des pathologies cardiaques, alors je me rappelle plus le nom du gars. Mais qui ont mis 10 ans à être découvertes, le mec était des professeurs des universités le temps que ça a été découvert. Et donc oui, Wolf nous dit c'est Brian Deer du Sunday Time, effectivement. Facecaf nous le met dans le chat aussi. Ben, c'est très bien. On a un chat au top. Mais sinon, pour les anglophones aussi, la chaîne de Bobby Broccoli a publié 3 vidéos, je crois, sur le cas de John Hendrickson, qui a mis 2 ans aussi à être gaulé. Après avoir publié dans Science des trucs de physique qui pourtant étaient aussi grillés à 100 mètres. Je vous invite aussi, par exemple, à aller voir cette formidable histoire. On reprend la suite. On peut terminer. Est-ce que je peux pas juste lire le message d'hygiène mentale pour conclure tout ça ? Qui nous dit que la définition de baliverne, donc j'imagine la définition de Thomas Durand, semble être un mélange entre 2 trucs différents. Donc le bullshit de Harry Frankfurt, qui est effectivement le discours qui fait plaisir à l'oreille de l'interlocuteur, indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté, et une fausse information que beaucoup de gens croient, qui ça serait la partie que Thomas Durand aurait rajoutée sans source. Voilà. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, et on peut s'accorder sur le fait que, de toute façon, ce n'est pas une définition opérationnelle, on en a assez longuement parlé. Si ça te va. Si ça vous va aussi. Yes. Ok. Allez, let's go. Alors, la dernière partie fait 5 paragraphes, et s'appelle le besoin de confiance. Est-ce que tu veux... Alors, si tu lis... Si je vais le lire et je vais commenter un peu en même temps à la volée, je pense, et après on fera un petit bilan de ce chapitre. Il faudrait faire un vote du public parce qu'ils disent que tu lis avec trop de sarcasme. Alors, je vais lire sans sarcasme. Le besoin de confiance. Nous sommes une espèce extraordinairement sociale. On peut l'oublier facilement dans le charivari, des imprécations politicardes, ouais, trop de syllabes dans ces mots-là, le charivari des imprécations politicardes, des revendications tumultueuses, des répressions brutales, et sous le grommellement quotidien auquel nous participons tous, mais dans le paysage animal de notre planète, Homo sapiens s'avère particulièrement doué pour porter secours à ses semblables, pour accorder son aide et sa confiance. Cette phrase est beaucoup trop longue. Cette phrase est d'une part beaucoup trop longue et avec beaucoup trop de syllabes dans ces mots, quoi. Le charivari des imprécations politicardes, des revendications tumultueuses, des répressions brutales et sous le grommellement quotidien. Waouh, waouh, waouh. Enfin, il aurait dû faire une carrière à Louis Dippo, je pense, en fait, plutôt que d'écrire des trucs comme ça.
Plantophage demande qui a compris. Moi j'étais perdu au milieu. Moi il faut que je la redise, pense. Alors donc on peut l'oublier. Donc nous sommes une espèce sociale. On peut l'oublier facilement dans. Donc en fait je pense qu'il faut, il faut une traduction. Le charivari des implications politiques, donc dans les débats politiques, quoi. Des revendications tumultueuses, donc dans le débat politique. Des répressions brutales du débat politique. Faut dire que dans les répressions brutales, par exemple, quand le gouvernement il commence à taper sur les gens, on a tendance à oublier que nous sommes une espèce extraordinairement sociale. C'est vrai, je suis d'accord lui. C'est vrai, cette phrase est vraie. Je suis d'accord avec... Et vous m'entendrez dire sur ce chat que je suis d'accord sur cette phrase avec Thomas Séduron. Une partie de cette phrase, attention. Voilà, sur une partie de cette phrase. La phrase fait 5 lignes, donc effectivement, il ne faut pas trop s'avancer non plus. Et sous le grommellement quotidien auquel nous participons tous. Mais ça ne veut rien dire. Genre, on parle, quoi. C'est le débat public, en fait. Oui. Okay, alors lui, il appelle ça le grommellement quotidien. Bon. Non, mais donc le charivari, l'impression... En fait, en gros, il écrit quasiment 2 lignes pour dire débat public. C'est vraiment ça. Charivari des imprécations politicardes, revendications tumultueuses, répression brutale et grommellement quotidien auxquels nous participons tous. Tout ça, ça veut dire le débat public. Et en fait, si tu reprends la phrase, il dit « nous sommes sociaux », on peut l'oublier facilement dans le charivari des imprécations politicardes, les revendications tumultueuses, la répression brutale et sous le grommellement quotidien auquel nous participons tous. Mais dans le paysage animal de notre planète, Homo sapiens s'avère particulièrement doué pour porter secours à ses semblables, pour accorder son aide et sa confiance. Alors en fait, c'est bizarre parce qu'il dit « nous sommes une espèce extraordinairement sociale », c'est-à-dire que nous avons des interactions sociales négatives, mais nous avons aussi des interactions sociales positives. Mais il le formule en disant « les interactions sociales négatives poussent à faire oublier que nous sommes sociaux ». Ce qui absolument. Ce qui est un peu bizarre. Effectivement, je ne l'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, tu as tout à fait raison. Cette phrase est, en plus d'être beaucoup trop longue et verbeuse, et aussi autocontradictoire. Et moi, je trouve que c'est beau, quelque part. Enfin, il dit qu'on peut l'oublier dans les trucs sociaux négatifs, mais bon, ça l'illustre quand même. C'est autocontradictoire, c'est le principe. C'est vraiment ça. C'est ça. On peut faire mieux, c'est une évidence. C'est la suite de sa phrase. C'est une évidence, il peut faire mieux. Mais n'oblitérons pas cette spécificité, car elle est le terreau de la balivernie. Alors là, il s'est lancé, je sais pas, genre il a dû manger un des poètes disparus. Les poètes ont disparu parce que Mandax les a mangés, en fait. Et vous, quelle sera votre rime? Non mais. Avec oblitéré. Alors, non, mais c'est vrai, on peut faire mieux, c'est une évidence. Mais n'oblitérons pas cette spécificité, car elle est le terreau de la baliverne. Vous ne ferez pas croire grand-chose aux membres d'une espèce où personne n'accorde sa confiance. C'est hyper biologisant. Genre, en mode vraiment... Par essence, les humains doivent croire, quoi. Alors clairement, plantophage, ça fait scientifique. Là, ça fait pas scientifique. Hein. Les scientifiques, ils écrivent pas comme ça. Si vous lisez un article scientifique, au contraire, moi c'est typiquement précisément le genre de truc que j'explique à mes étudiants, genre en début de master, c'est calmos sur les termes que vous ne maîtrisez pas, genre grommellement et oblitéré, parce qu'ils ne les maîtrisent pas, ça ne veut pas dire ça. Calmos pour avec ce genre de termes, parce que juste c'est inutilement verbeux et clairement c'est pas le langage scientifique en fait. En science, on va utiliser des mots précis. Des mots qui sont pas genre des grands envolées lyriques, des trucs définis, pas comme Baliverne dans son bouquin. Mon directeur de thèse avait une très bonne formulation pour ça, et quand j'écrivais pas bien dans ma thèse ou dans les articles qu'on essaie de publier, il revenait à mon bureau, il posait ça sur ma table et il disait « c'est pas de la littérature, réécris-moi ça ». Mais oui, mais en fait c'est un peu ça, enfin là je sais pas, non, mais sérieusement ce paragraphe il est totalement surréaliste. Et même la conclusion aussi, ça rejoint ce que je disais, c'est qu'il limite en gros la définition du fait d'être sociaux au fait d'accorder sa confiance. Grosso modo. Ce qui n'a aucun sens, et je pense que... Par exemple, les lions sont une espèce sociale. Ils ont le mâle a plein de femelles. Ils vivent pas tout seuls éloignés de leur groupe comme d'autres espèces. Je sais pas, les blaireaux, par exemple. Les blaireaux africains, ils vivent tout seuls. Et pourtant, je pense pas que les mâles lions fassent super confiance aux jeunes qui essayent plus tard de prendre leur place dans le harem et de tuer avant de tuer leurs petits. Pourtant, c'est une espèce qu'on peut considérer comme sociale. Oui.
Non, mais c'est juste. Mais là, c'est pour ça que je parle vraiment de tout ça. Enfin, vraiment, je pense que c'est le terme le plus approprié pour l'instant sur ce chapitre. C'est on est vraiment sur de la bouillie, en fait. On prend des termes comme ça, espèce sociale, immunité, des trucs qui ont l'air un peu scientifiques, quoi. Et on va tout mâcher ensemble. On met tout dans un gros mixeur. Et puis on déchiquette tout, et puis ça fait ça. Voilà. Et alors la suite. Plantophage nous dit que vraiment sa technique c'est de perdre les lecteurs et les lectrices pour avoir l'air de dire des trucs intelligents. J'ai un peu le même sentiment quand même. Donc, oui, ouais. Non mais là vraiment c'est typiquement une phrase. Enfin c'est vraiment depuis le début, hein, il nous assène un peu des gros trucs très très verbeux, grandiloquents, machin. Voilà, elle va éduquer notre immunité, blablabla. Bon, il y avait beaucoup de flancs, très peu de sources et très peu de définitions sérieuses, quoi. Donc, oula. Oui. La confiance est une stratégie darwinienne. La confiance est une stratégie darwinienne. Source de Darwin. Une stratégie darwinienne, en plus, ça veut rien dire, quoi. On pourrait dire une stratégie évolutive, mais une stratégie darwinienne, ça veut rien dire. Darwinien, c'est pas synonyme de évolutif. Genre. Même ça, c'est raté. Bah oui, parce que on pourrait reformuler à peu près, quand on sait ce qu'il veut dire, on pourrait dire si on modélise les interactions sociales par la théorie des jeux, en théorie des jeux, par exemple, oui, on peut dire que les stratégies de confiance mènent à des bénéfices réciproques et peuvent aider à survivre dans certains milieux évolutifs. Voilà, ça c'est un énoncé formulé de façon scientifique. Et encore, là, c'est fait à la volée. Hein. Oui, encore à l'arrache. Mais voilà, mais on peut dire que bon, c'est pas la confiance d'une stratégie darwinienne, quoi. Nous manifestons cette compétence. La confiance, une compétence. Ok, alors donc, didacticienne inside, là, la confiance n'est pas une compétence. Une compétence, c'est pas ça. Allez, on va. Donc, je vais. Bon, c'est un peu un gros mot en termes de didactique. On va dire qu'une compétence, c'est plutôt un savoir-faire. Alors oui, savoir-faire confiance, on peut considérer que c'est une possibilité. Là, en l'occurrence, il parle plutôt de la confiance comme d'une disposition, comme d'un savoir-être. Ouais, donc, savoir-faire, c'est plutôt, écoute, je sais résoudre des équations différentielles. Oui, j'ai compris comment ça fonctionne. Savoir être, je préfère te faire confiance ou je préfère faire confiance aux gens qui ont des avec qui j'ai des affinités positives, par exemple, ou en qui voilà. Mais ça c'est pas. Enfin, tu peux apprendre à faire confiance à quelqu'un en particulier, mais ça relève de ton interaction avec la personne. C'est pas. C'est pas une compétence. En c'est pas une compétence. Ce sera pas une compétence jamais, genre. Bon, passons. Nous manifestons cette compétence parce que ces déterminants héréditaires ont été favorables à la survie et à la reproduction de nos ancêtres. Parce qu'il y a des gènes de la confiance. Là, il est littéralement en train de dire, on a une compétence plus ou moins élevée à faire confiance les uns les autres. À se faire confiance les uns les autres. Et ça s'hérite héréditairement. Ouais, ça s'hérite, ouais. Donc voilà, donc si vous êtes naïf, prenez-vous-en à vos parents qui sont naïfs. Voilà, c'est la conclusion. Faire confiance a priori à nos semblables améliore notre sort, à condition d'avoir de la mémoire et de ne pas oublier quand un mensonge est proféré, afin de ne pas être trompé deux fois. Celui qui ne fait confiance à personne et ne croit rien de ce qu'on lui dit, qu'il ne puisse vérifier lui-même, se prive des avantages qu'il y a à faire confiance à ceux qui en sont dignes. Surtout, il se prive de la possibilité d'apprendre à distinguer les sources fiables. Waouh, j'ai des flashbacks de PTSD sur les sources fiables et les trucs du ministère de l'Éducation nationale, là, en mode genre, oh waouh, mon Dieu, c'est affreux. Cette stratégie de la méfiance totale est étrangère à la nature humaine. Alors lui, par contre, la nature humaine, il y va. Les enfants croient tout ce que leurs parents leur disent, et c'est une bonne disposition, car ils évitent ainsi de se mettre en danger. Alors là, vraiment, je pense qu'on a eu une expérience de famille extrêmement différente. parce que clairement, si j'avais dû croire tout ce que mes parents me disaient, j'aurais été vraiment très très en danger, et beaucoup plus, quoi. Donc là, vraiment, non, quoi. Juste, donc, bon, cette anecdote est fausse. On a Fakin Génie qui arrive, coucou Fakin Génie, dans le chat et qui nous dit sans rire, c'est une baliverne de génétique comportementale. Apparemment, la confiance est héritable, mais la méfiance non. Et il cite un papier apparemment de génétique comportementale.
Ce que ne fait même pas Thomas Durand d'ailleurs. Zéro source. Oui, parce que oui, il n'y a pas de source, hein, évidemment, il n'y a toujours pas de source depuis tout à l'heure, mais passons. Non, pour le coup, là, c'est vraiment très bullshit. En fait, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé avoir des articles pour un peu plus réfuter ça. Pour l'instant, j'ai sorti trois articles, il y en a deux, trois autres qui ont été discutés et tout. Ouais, là, c'est juste. Enfin, c'est même pas réfutable, quoi, tellement c'est... T'as déjà réfuté une de ces propositions qui dit les enfants croient tout ce que leurs parents oui, leur disent. Mais ça c'est trivial, il n'y a pas besoin d'avoir de la compétence scientifique pour réfuter ça, c'est juste trivial ça. C'est juste trivialement faux quoi. Enfin genre en mode, de toute façon toutes les takes qui commencent par les enfants, les humains, la nature humaine, tous les trucs genre hyper généralisants comme ça, c'est systématiquement faux. Considérer genre une catégorie d'humains comme une catégorie homogène, c'est rarement un bon plan. Genre. Et Anna Druid nous dit que ce n'est pas une propriété des individus, mais des interactions de faire confiance. Bah, c'est un peu la confiance, oui, absolument. La confiance, c'est une propriété des interactions, pas des individus. Vouloir penser qu'il y a des déterminants génétiques à la confiance, c'est vraiment. Enfin, naturaliser la confiance, c'est absurde. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que techniquement, on peut partir du principe aussi qu'on peut établir des relations de confiance avec des animaux non humains. D'ailleurs, oui, absolument. Donc. Enfin, je sais pas. Et même des animaux. Genre qui un sont... chien d'aveugle oui. Par exemple Alors, t'as intérêt à avoir confiance dans ton chien d'aveugle, parce que sinon, comment tu fais, genre. Et même avec des animaux dont on est très éloigné sur l'arbre, sur les arbres phylogénétiques, hein, je sais pas. Hein, oui, bah oui. Les oiseaux. Oui. Je sais pas si vous avez vu les éleveurs de corbeaux, par exemple. Ils peuvent avoir des très intelligents les corbeaux, des relations de confiance aussi, complètement analogues à une relation avec un humain. Le langage mis à part. Le langage parlé mis à part. Et j'avoue que là, j'aurais préféré me taper 2 heures de croix de corbeau que de dire ce qu'on est en train de dire là. C'est toi qui as choisi. Non, c'est vrai que c'était mon idée en plus cette émission. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette émission? Bon, c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout maintenant qu'on a commencé. C'est parti. On ne va pas s'avérer vaincu par le premier chapitre. Où en étions-nous ? Donc, oui, voilà. Les enfants se croient tout ce que leurs parents leur disent, c'est une bonne disposition. Donc là, maintenant, la confiance est une disposition, c'est plus une compétence, hein, vous l'avez noté. Donc, nous écoutons les conseils de nos amis, ce qui nous prémunit contre nombre d'erreurs. Je veux dire que ça dépend des amis. Si nos amis sont des sceptiques, ça peut nous induire en erreur. Nous acceptons pour vrai ce que nous disent nos professeurs, ce qui nous permet d'apprendre plus d'une chose utile, pourvu qu'on se garde de penser détenir une vérité absolue. Oui. C'est vrai, je suis d'accord avec cette phrase en entier. Voilà, vous pourrez clipper ce morceau. T'auras été d'accord 2 fois dans un live. Non, un peu plus, quand même, il y a eu 2-3 moments où j'étais en mode « oui, effectivement », genre bon, des fois je disais « oui, c'est parce que c'est vide », mais là, en vrai, là, oui, cette phrase, elle est vraie, parce qu'elle est vide, ok, effectivement, bon, c'est un peu vide, bon, très bien. Passons, vous pouvez clipper le moment où j'ai dit que j'étais d'accord avec Thomas Séduant. Nous reconnaissons à des professionnels une expertise sur ce que nous ignorons, et nous nous fions à leur diagnostic, ainsi qu'aux solutions qu'ils préconisent. Bon, pas tous, Dieu merci. En accordant notre confiance, nous apprenons à doser notre usage du doute. Nous ne savons pas fonctionner autrement, et il serait étonnant qu'une société humaine puisse se passer de ce processus. Alors, la confiance, en un paragraphe, est passée de compétence à disposition, à trait héritable, à processus. Genre. Ben voilà. Et on est passé de l'échelle individuelle et biologique à l'échelle sociale... dans son ensemble. C'est juste, genre... Enfin, c'est même plus qu'il est en roue libre, c'est genre qu'il n'y a plus de roue, quoi. Il est sur les essieux, là. Alors, il est sur les essieux, sur la patinoire, genre... C'est... Alors, ça, juste, ce n'est pas rigoureux. C'est juste... Ce n'est... On peut pas faire ça. Genre, on peut pas parler de science et faire un truc comme ça. Là, il mélange tout. Il n'y a pas de définition. On ne sait pas ce que c'est que la confiance, mais voilà, c'est là et c'est important. Et c'est les humains, et c'est cool, quoi. Mais...
Ça me rappelle un autre livre qui parle de l'évolution de la confiance, justement, si je me souviens bien, et qui dit explicitement, je vais pas définir la confiance, mais ce sera quand même mon sujet, et puis plus loin, qui dit, ouais, en gros, la confiance, c'est quand les gens coopèrent, un truc comme ça. Ceux qui savent sauront, mais ça parle de psycho. Ah, donc c'est bon. Ouais. Mais... Mais voilà, ne réalisez pas cette figure, même si vous êtes un professionnel, vous vous feriez très mal. Ah bah là, il faut être triple champion de patinage artistique parce que c'est glissant, quoi. Genre... Non, enfin, c'est juste pas... Je sais pas quoi dire, en fait. Pas vraiment d'un point de vue méthodologie, enfin, d'un point de vue conceptuel, en fait. Là, c'est juste... Il y a plus de red flag que de mots dans son paragraphe, quoi. Genre... Ouais, compétences, déterminants, enfin bon, enfin tout est mélangé, on ne sait pas ce qu'on fait, voilà, bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, attends, je vais avancer un petit peu le texte pour nos spectateurs. Hop, on est par là. Spectatrices, c'est vrai. Voilà, je vais le mettre ici. Nous sommes de là, de toute façon, absolument. Après, c'est la fin. Excellent. Excellent. Non, c'est la fin de... Voilà, exactement, merci. Or, si notre vie sociale nous oblige à faire confiance, souvent, à nos semblables, nous voyons bien que rien ne saurait nous éviter d'être, de temps à autre, les victimes de tricheurs, de menteurs, d'escrocs et de baratineurs. Nous ne saurons jamais nous débarrasser des balivernes, pas plus que des illusions d'optique ou des jugements hâtifs. Notre vulnérabilité à la baliverne est un produit dérivé de notre évolution. Pourquoi faire rentrer l'évolution là-dedans, quoi. C'est pour donner une explication à un phénomène qu'on n'a toujours pas défini. Oui, alors d'une part, mais en fait, il y a plein d'autres explications qui sont beaucoup moins coûteuses. Oui. Rasoir d'Occam, hein, ils aiment bien les rasoirs d'Occam, les sceptiques. Il y a plein d'explications qui sont infiniment moins coûteuses que l'évolution. On va mettre là-dedans. Et que, plus que l'évolution, on a des petits modules, enfin, où le cerveau, il fonctionne avec des... Ne parlons pas des petits ce soir. Je parle pas des petits modules, mais le cerveau, il a des petits programmes, et du coup, il traite mal l'information. Stop, pas des vopsies, voilà, stop, on poursuit. Hop, next. J'ai un peu trop parlé des vopsies, désolé. Notre vulnérabilité à la baliverne est un produit dérivé de notre évolution. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à en atténuer les effets néfastes. Avoir conscience des mécanismes biologiques, voilà, donc typiquement, genre, les mécanismes biologiques, genre la biologie des balivernes, quoi. Psychologique, sociologique, vu son emploi de capital culturel, non, capital, c'est quoi le capital symbolique? Si, vu son emploi de capital symbolique tout à l'heure, je sais pas si tu vas parler de sociologie, mais ça va vraiment être douloureux, je pense. Sociologique qui nous détermine et que nous ne pouvons empêcher est le meilleur moyen de reprendre un peu le contrôle sur ces phénomènes. En effet, il n'est jamais plus aisé de manipuler un individu que lorsqu'il se croit totalement immunisé et seul maître de ses choix et opinions. Nous avons très envie de nier ces processus qui sont en nous. Ah, c'est des processus qui sont en nous, quoi. C'est vraiment, ils sont là, ils existent. Quoi. C'est un peu, vous savez, c'est l'histoire de... Enfin, il était une fois la ville, hein. C'est des petits bonhommes qui se baladent comme ça, en mode, coucou, je suis un processus. Je suis le biais cognitif numéro 27. Non, mais ça, vraiment, c'est juste... La réification des concepts, c'est vraiment effroyable. C'est vraiment le truc de base qu'on dit de ne pas faire, quoi. En médiation, diffusion des sciences didactiques et tout. Genre, ne faites pas ça. Non, jamais. Oui, parce que la vulgarisation, ça s'apprend aussi. Hein. Oui, pas toujours sur le tas. Explicite, enfin, spécifique pour ça, quoi. Ok. Nous avons très envie de nier ces processus qui sont en nous, car ils nous volent notre libre arbitre, crime de lèse-majesté. Alors voilà, pareil, hein, vraiment, ils nous volent. Ouais, c'est des petits gnomes, le processus qui est en nous. C'est comme un petit gnome qui vient. Non, vraiment, j'en peux plus, c'est beaucoup trop nouveau. Je suis le champignon, bonjour. Non, mais c'est ça. Je viens sous votre angle. Ça n'a aucun sens, quoi. On peut pas écrire un truc comme ça, les processus qui nous volent notre libre arbitre, mais ces processus, ils font partie de nous, en fait. Hein. C'est vraiment hyper important. Ce qu'il faut comprendre dans ce genre de trucs, quand même, c'est que tous ces trucs qui sont présentés comme extérieurs à nous, ils font partie de nous. Notre processus de décision, ça, c'est vraiment un truc... Bon, enfin, là, je pourrais sortir 18 articles différents, donc je vais pas le faire, parce que ce soir, il est trop tard. Dans les processus de prise de décision...
on est vraiment sur des trucs qui sont internes à nous, hein. C'est pas l'externalité, tout ça. Ça, c'est super important à comprendre. Tous les biais, tous les arguments qu'on formule, etc. C'est, alors, les arguments, on peut les avoir répétés. Genre, on a appris un argument quelque part et on le répète. Ok, effectivement, oui, c'est une possibilité, ça arrive. Hein, bon. Sauf que si on le répète, c'est bien qu'on l'avait en tête d'une façon ou d'une autre. Hein, bon. Tous ces trucs-là, ils sont pas externes à nous. Là, depuis le début du chapitre, Thomas Durand, il nous présente ça comme des trucs externes à nous, contre lesquels il faut se défendre, en mode genre, ah là, ça nous attaque, c'est contre nous, c'est insidieux, comme des virus, machin, mais voilà, il faut développer notre immunité cognitive. Ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'un point de vue scientifique, c'est juste des trucs qui sont internes à nous, en fait. Les biais cognitifs, nos processus de décision, notre capacité à faire confiance, c'est nous, en fait. C'est juste nous. Unique et entier. Mais tu peux pas le découper en disant, comme des petits éléments séparés. Non. Il n'y a pas de petit gnome qui vient nous voler notre libre arbitre. Ça fait partie de notre libre arbitre, en fait. C'est pour ça que je m'arrête sur cette phrase et vraiment que je fais un point spécifique là-dessus. Cette phrase, elle est choquante. Elle ne veut rien dire. Elle est totalement... Enfin, c'est pas qu'elle veut rien dire, c'est faux en fait. C'est pas un processus qui va nous voler notre libre arbitre. Il fait partie de notre libre arbitre en fait. C'est... Notre libre arbitre qui effectivement, potentiellement, est suit des voies qui nous conviennent pas forcément. Oui, mais parce qu'on n'est pas en pleine mesure de ces, enfin en pleine décision totale de tout. Le libre arbitre total, il n'existe pas. Oui, ok, parce qu'on est plongé dans un contexte, il y a plein de contraintes diverses et variées, multiples, quoi, ok, bon. Ceci étant, il n'y a rien qui nous vole notre libre arbitre. Hein. Ça, c'est un non-sens complet. Genre. Et d'ailleurs, ce que je trouve quand même intéressant, plus simplement pour le béotien que je suis en didactique et en... enseignement de l'esprit critique, c'est aussi que il dit avoir conscience des mécanismes blablabla qui nous déterminent est le meilleur moyen de reprendre un peu le contrôle sur ces phénomènes, mais comme tu dis justement c'est nous, et il y a eu pendant aussi un moment cette idée que le simple fait de savoir ou de faire attention à ses biais, en fait ça ne prévenait pas des biais, ça n'aidait pas particulièrement à éviter de tomber dans les manières de réfléchir que ces biais provoquent. Enfin, ces biais que... Disons que ça ne corrige pas les mécanismes de réflexion qu'on a sur les instants T, quoi. Et que là où l'esprit, une application de l'esprit critique nécessiterait de se poser et de bien pondérer les choses, je dirais, ou plutôt de faire le bilan. Avoir conscience de ces biais, des biais qu'on a, ou de la manière d'exercer son libre arbitre, n'empêche pas de tomber dedans, et j'ai un peu l'impression que là il nous dit quand même un peu l'inverse. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais oui, oui. C'est super, tu peux très bien dire ah là là, j'ai un biais, je sais pas, j'ai un biais d'ancrage ou je sais pas quoi. Bah, ça t'empêchera absolument pas d'avoir le biais d'ancrage pendant des situations où tu te diras pas attention, il faut que j'allume mon petit esprit critique par réflexe, parce que tu l'as pas ce réflexe, oui. Tu l'auras pas. On n'a pas un biais esprit critique qui nous fait. Ouais. Mais en fait, grosso modo, j'ai l'impression que là, il est en train de dire l'inverse de ce qu'il est en train de décrire. Qu'en gros, on a des automatismes, et connaître les automatismes, ça empêcherait d'avoir des automatismes, alors que c'est des automatismes. Là, je le dis de manière très simplifiée. Oui, oui. Non, mais complètement, c'est exactement ça. Bon, allez, poursuivons. Dernier mais paragraphe. Oblitérer la réalité, bon, encore une fois, le mot oblitérer est mal utilisé, ce serait occulter à la limite, mais pas oblitérer. Ça fait vraiment juste... Enfin, c'est pour se donner l'air intelligent, quoi. Mais oblitérer la réalité nous met à la merci de ceux qui savent tirer profit des défaillances et des raccourcis de notre psyché. La première et la dernière ligne de défense contre les balivernes n'est ni dans les lois, ni dans les médias, ni dans les réseaux sociaux, mais dans les esprits. Alors voilà, c'est la première et la dernière ligne de défense, quoi. Donc c'est pas dans les médias, donc on va pas... Non mais sérieux, mais comment on peut écrire un truc pareil ? Oh mais cette vision, mais...
hyper individualiste, quoi. Donc typiquement, tout à l'heure, vous voyez, on était sur un truc de... Un truc où on pouvait se dire justement, bah tiens, voilà, c'était quoi l'exemple? C'était quand il y avait le relais de la presse sur Xavier Dupont-Ligonnès, là, machin, qui est complètement en lien avec le système médiatique et comment les médias fonctionnent, hein. Et absolument aucun rapport avec les biais cognitifs. Genre le partage de news de bref de l'AFP sans plus de réflexion que ça ou de creuser que les informations que ça, par exemple. Voilà, donc c'est pas un biais cognitif, c'est juste la structure médiatique est comme ça, quoi. Donc. C'est pas dans les médias, les lois, les réseaux sociaux, mais dans les esprits. Donc on est vraiment sur une lecture hyper individualiste. Donc le bouquin va nous vendre une lecture hyper individualiste encore plus, quoi. Dans les esprits, de notre propre aptitude à l'autocritique, à la résistance face à nos automatismes, au doute face à l'égard de nos certitudes. Comment on ne peut pas considérer ce bouquin comme du développement personnel à partir de cette phrase ? Sans rejeter complètement nos intuitions, apprenons à n'accorder que prudemment notre confiance à nos premières impressions et aux jugements spontanés que nous portons sur le monde, car nos émotions sont trop souvent mauvaises conseillères. Nous pouvons aussi... Alors, une source... Alors la source, c'est Garrett et Weeks, Epistemic Beliefs Role in Promoting Misperception and Conspiracist Ideation. Donc le rôle des croyances épistémiques... dans la promotion des mauvaises perceptions et des idées conspirationnistes. Donc, c'est un plus de Garrett et Wicks. Ouais, alors quel rapport avec les émotions? Parce que les croyances épistémiques, c'est pas des émotions, du coup. Je crois que... Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que l'article... je l'avais. Alors, j'ai pas pris mes notes, évidemment, elles sont sur mon autre partition. J'ai pas envie de dire de bêtises... donc je vais chercher l'article, mais de mémoire, il ne le cite pas bien. Je vais taper plus one. Bah en tout cas, les croyances épistémiques, c'est mon champ et c'est pas ça, quoi. Donc, On va voir s'il le trouve. Epistemic Beliefs Role, voilà, in Promoting Misperception, je l'ai. Hop. Est-ce que... Bon, pour l'instant, je lis la dernière phrase. Donc nos émotions sont trop souvent mauvaises conseillères, nous pouvons aussi transformer la manière dont nous consultons, commentons et partageons des informations, notamment en musclant notre résistance à croire et notre motivation à vérifier. En musclant notre résistance à croire, mais qu'est-ce que notre résistance à croire ? Ok, d'accord, ok, bon, on croit pas trop facilement, très bien. En musclant notre résistance à croire et notre motivation à vérifier. Donc ça fait vraiment genre inspirational bot un peu cette dernière phrase, non? Je suis vraiment désolé parce que en fait il y a un peu ça, entre guillemets, c'est un peu une erreur de ma part. Moi, c'est je pensais pouvoir apporter un vrai éclairage scientifique sur ce livre sans avoir lu tout le bouquin. J'avais juste lu quelques petits extraits par-ci par-là et pas dans le premier chapitre. Mais en fait c'est tellement du flan. C'est très compliqué. La suite, ce sera mieux, je pense. Disons que ce premier chapitre n'est pas très engageant. Et, non. J'ai retrouvé l'article dans lequel, en fait, dès l'abstract, il conclut en disant... Alors bon, c'est un article qui parle du fait que les misperceptions, donc les mauvaises perceptions répandues, undermine, donc coupe l'arbre sous le pied des decision making ability des citoyens, donc la capacité de prendre des décisions des citoyens, les conclusions fondées sur des choses fausses et des théories du complot sont flawed, donc incorrectes par définition, en gros. Cet article démontre que les croyances épistémiques individuelles, donc les croyances à propos de la nature du savoir et comment une personne arrive à connaître, ont des implications importantes pour la précision de la perception. Donc c'est des surveilles de la population états-unienne pour avoir une mesure de trois aspects des croyances épistémiques. La confiance qu'on a dans son intuition pour les croyances factuelles, l'importance et la consistance entre les preuves empiriques et les croyances, et la conviction que les faits sont des constructions politiques, faits entre guillemets.
Mais je crois que le rapport avec la phrase vient de la fin de l'abstract, donc de l'introduction, qui conclut en disant que la confiance dans la capacité à reconnaître intuitivement la vérité est un élément particulièrement important pour prédire la croyance dans les idées conspirationnistes. Les résultats suggèrent que les efforts pour contrer les mauvaises perceptions pourraient être aidés en promouvant des croyances épistémiques qui mettent l'emphase sur l'importance de la preuve et un usage parcimonieux des sentiments, ainsi que la croyance que la vérification rigoureuse par des spécialistes sachants est un garde-fou efficace contre la manipulation politique. Ça se questionne, mais au moins le texte en termes de croyance épistémique, il est complètement... Oui, ok, c'est discutable, mais c'est discutable. Mais s'il dit que les émotions sont mauvaises conseillères, c'est parce qu'il a traduit cautious use of feelings. Que recommandent les auteurs? Oui, dans un contexte de croyance épistémique, qui est donc un truc extrêmement spécifique. Oui. Et qui n'a rien à voir avec ce qui est dit là, en fait. J'ai pas l'impression, non. Non, ça n'a rien à voir. Parce que on répète, les croyances épistémiques aussi, c'est des croyances par rapport à la manière dont on... Dont on sait. Et oui. Les croyances épistémiques, en gros, c'est des croyances par rapport... Enfin, c'est notre représentation du savoir et du fait de connaître. En gros. Donc, bonne nuit, Myril. Le fait de dire, bah tiens, ce truc-là... Je sais que je le sais parce que X. Donc si je sais que je le sais parce que c'est un truc qui m'apporte des sentiments, c'est une croyance épistémique un peu naze, quoi. Le fait de dire, bah tiens, c'est quoi une bonne façon de savoir qu'on sait un truc? Ah bah c'est parce que c'est un truc qui me fait réagir. Bon, ça c'est pas une croyance épistémique extrêmement élaborée, extrêmement intéressante. Mais du coup, si le propos de l'article c'est ça, c'est totalement trivial. Et c'est pas du tout les émotions sont mauvaises conseillères. Je remets l'article dans le chat pour les motiver parce que. Hop, et d'ailleurs, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là qui a fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'article là, il parle de croyances épistémiques. Il met en avant le rôle de la preuve, des preuves, etc. Mais là, il parle pas du tout de preuves. Là, il parle juste de biais. En mode. Donc, il a eu un article sous la main qui cite, bon, pas bien, qui dit un truc. Et il n'utilise pas ce truc pour. Genre, développer une pensée qui soit proche de la science, quoi. Parce que moi, c'est typiquement ce que je fais dans mes recherches, par exemple. Le fait de faire travailler l'argumentation, la construction de justification, de preuves, etc. C'est précisément ce genre de choses sur lesquelles on bosse. Il y a Florian Glibert qui demande, est-ce que c'est ce qu'une fois tu avais partagé avec absolutiste, multipliste et évaluationniste? C'est une classification possible de croyance épistémique. Effectivement, j'avais fait un thread sur Twitter là-dessus à une époque. C'est une classification possible de croyance épistémique. C'est absolutisme, multipliste et évaluativisme. Bonne soirée, Raph. Il y en a pas mal d'autres. Bonne soirée, Raph. Il y en a pas mal d'autres, des classifications comme ça. Là, en l'occurrence, c'est juste que ce qu'il faut retenir en positif, c'est ça qui est super intéressant, je trouve. En positif, cet article-là, il nous dit que ce qu'il faut retenir, c'est l'attachement à la preuve, à la justification, etc. C'est un truc qu'on fait dans les recherches scientifiques contemporaines, c'est s'attacher à la preuve, la justification, etc. On fait travailler aux enfants, ce que c'est qu'une preuve, un argument, ce genre de choses. Bon. Lui, il prend le truc négatif. Il prend juste les émotions ne sont pas des bonnes conseillères. Et tout ce qui est le truc sur les preuves et tout, ça disparaît et il veut nous parler de biais. De biais internes. Et en mode développement personnel. Et jamais un truc sur le travail sur les preuves, quoi. Et Pimps Simp, coucou Pimps, nous dit que au passage, feelings veut pas dire émotion dans le texte, du moins pas toujours. Effectivement, c'est pas une très bonne traduction.
Puisque feelings recouvre aussi, moi je le traduirais plutôt par sentiment. Vu que emotions, enfin émotion, ça se traduit littéralement par émotion, emotions en anglais. Et feelings, c'est plus sentiment, donc qui recouvre pas tout à fait la même chose. Mais ça, à la limite, c'est pas pire que le human nature de tout à l'heure. Oui, c'est clair. Bon. On arrive au bout du chapitre, voilà. Nous avons terminé ce chapitre. C'était éprouvant. Le reste du livre est pas mieux. Non, faut me dire ça. Mais je pense qu'on ferait bien de continuer quand même au moins quelques chapitres, même si on finit pas. Ah oui, non, mais moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. On a commencé, il faut. Moi je l'ai pas encore lu en entier, donc je n'exclus pas que dans le dernier chapitre. On ait une révélation sur en fait le livre, tu vois, et que tout soit différent. Quoi. Effectivement, le premier chapitre n'était pas très engageant. Hein. En résumé, les concepts ne sont pas définis. Quand ils le sont définis, c'est soit mal, soit pas de façon cohérente. Pims précise par rapport au sentiment de tout à l'heure, lui, ça, pour lui, traduirait plutôt par ressenti et intuition. Donc oui. Merci. Oui, souvent les gens qui parlent de concepts 88. Systémiques sont pas hyper au clair. On est plus axé sur l'épistémique que sur les feelings et tout. Mais oui, donc bon, voilà. En résumé, là, on est quand même très très mal parti pour la suite, quoi. Moi, je m'attendais à un truc au moins qui pose une définition, quitte à ce qu'elle soit pas terrible. Mais là, c'est genre pas ouf. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Faire oui, une pause. Je pense. Un article ou un livre à conseiller sur les croyances épistémiques. La thèse de Kevin de Chéchy. Ah bah tiens, comme le voilà qui voilà. Il tombe dans la conversation. Le cadre théorique de la thèse de Kevin de Chéchy, qui est accessible en ligne normalement. Hein. Kevin de Chéchy, qui est un très proche collaborateur et ami, qui a fait une thèse extrêmement bien sur les croyances épistémiques à sa soutenance de thèse. Je peux faire mieux que l'écrire, je peux vous trouver la thèse. Je l'ai. Si tu l'as. Je l'ai, mais. Hop. Sur thèse.fr, sinon vous cherchez Kevin de Chéchy, ça s'écrit quasiment comme ça se prononce, il y a deux C avant le chi. Voilà. En deux mots, de Chéchy. Et voilà, sa soutenance de thèse, son jury lui a signifié que c'était super bien et qu'il avait fait un état de l'art qui était trop stylé, en gros. Les mots n'étaient pas exactement ceux-là, mais l'esprit y était. Et donc voilà, c'est un très très bon résumé des croyances épistémiques, de ce que c'est, en lien avec l'esprit critique aussi d'ailleurs, puisque c'est vraiment le sujet de sa thèse, quoi. Croyances épistémiques et esprit critique, quoi. Donc on a beaucoup bossé ensemble, et ses travaux sont très intéressants. Voilà. Donc on mettra les différents liens de travaux scientifiques, j'en ai noté 5 pour l'instant. Ceux qui sont dans le chapitre, si t'es dans le chapitre. Les sources que nous, non, les sources du chapitre, elles sont dans le chapitre, donc pas besoin de les reciter. Non, les sources, les liens que nous, on a mobilisés dans le chat, la thèse de Kevin étant la dernière, du coup. On les mettra en description pour le replay, j'imagine. Pour avoir des refs. Ouais. Tu m'enverras ça. Pour dire que, ouais, je t'enverrai ça. Et du coup, comme ça, voilà, pour dire aussi qu'il y a du contenu scientifique avancé, hein, c'est pas uniquement du sel. Je vous enjoins à noter que ces lectures salées sont certes salées, ce sont aussi des lectures par l'universitaire. Donc, on parle de science, même si c'est compliqué. Là, ça a été un peu compliqué quand même, parce que... Alors, Florian redemande si on a des papiers sur l'impact, s'il existe, du fait de se muscler, entre guillemets, vis-à-vis des biais cognitifs et notre capacité à avoir confiance à l'instant T. Conscience. C'est tellement vague et flou et formulé d'une façon tellement non scientifique que non, en fait, on ne peut pas avoir de papier sur un truc comme ça.
Il y a des dizaines de façons de comprendre un peu ce truc, mais ça veut en soi pas dire grand chose en termes scientifiques, quoi. Ouais. Très bien. Je propose que on arrête là-dessus. Je ne t'entends plus. Attends, ça doit être vidéo. Qui t'a perdu et il a gardé ton lien. Oui, tu es normalement reviendu. Ah, j'ai bugué. Oui, c'est vidéo. C'est bon, c'est à la fin. Ah. Bon, avant que je rebug à nouveau, un petit mot de conclusion du coup. Est-ce que tu as un mot de conclusion à donner en tant que hôte de ce soir en telle piste? Poivre. Poivre, c'est un beau mot de conclusion. Pour ma part, je vous remercie infiniment toutes et tous d'avoir participé à ce premier épisode des lectures salées de Sornette. Et on vous tiendra informé pour la suite, pour le second épisode, qui correspondra donc au second chapitre de la lecture de La science de Balivernes de Thomas et Durand. En termes techniques, je vais sûrement essayer de m'autonomiser de Antalpiste pour streamer moi-même, mais donc du coup ça va prendre peut-être un petit peu de temps parce que j'ai pas le truc de recherche de prévu en ce moment, et il faut que j'apprenne à me servir de VDO et d'OBS. Donc ça va peut-être me prendre 2 ou 3 semaines, mais nous reviendrons. Les lectures salées de Sornette seront de retour, elles seront toujours aussi salées et elles seront, j'espère, avec encore plus d'articles scientifiques pour discuter et critiquer la science des balivernes. Donc sur ce, alors attends, avant je cherche si vous avez des noms, si vous voulez continuer votre expérience sur Twitch, on peut raid des gens. Voilà, il y a des gens qu'on va pas raid et puis il y a des gens qu'on veut bien raid. Donc si vous avez des gens gentils sur Twitch, je prends. Ah bah il y a Lentille, je crois. Ah non, elle est pas en ligne. Si. Non, hors ligne malheureusement. Donc si vous avez des noms, on prend. Ah, Galactic Ami, vas-y, go. Galactic Ami, bah, c'est une habituée maintenant, ça fait longtemps, mais vas-y, Galactic Ami. Yes. Alors, est-ce que... Dorian, petit Gab, bonne soirée. Alors, est-ce que... Merci d'avoir été là. Si, je fais... Hop. Galactic Ami, voilà. Hop, ça va-t-il marcher? Je suis très mauvais en Twitch aussi. Ça devrait fonctionner. Allez. Voilà. On se retrouve là-bas. On espère. Hop, ça devrait fonctionner. Normalement. Bonne soirée. J'espère. Bonne soirée. Ah non. Ouais, 10 secondes. Ici, il a trouvé, c'est bon. Je couperai. 7, 5, 6, il vous prépare. Et je vais pouvoir... 3, 2, 1... Ah, et les mots du genou, hein. Je déteste le JavaScript. Allez, hop, c'est parti. J'ai cliqué.